Pardon? C'est quoi tout ça? Attendez, le... on va prendre... Mais attendez, c'est quoi sous cette merde? What the fuck? J'ai jamais vu ça. Vous pensez que c'est toutes les photos des habitants? Ah, je pense que en fait c'est les photos des habitants spéciaux. Et je viens de dropper toutes les photos des personnages que j'ai fait. Oh, Slay! Ça c'est bien, Blanca et tout. Ok, pourquoi je les ai pas eues pour les autres? Le spam de loup, elle m'a harcelé là, faut dire les termes. Hein. C'est du harcèlement ça. Dindou. Tortimer. Chaussée. Ah bah voilà comment on les a les vraies photos. Antoine. Elle abuse un peu là, j'avoue que c'est un peu excessif. Elle a un petit peu... Ouais, c'est de l'abus. Oh, la photo d'Elisabeth, je suis ravie de l'avoir. Je m'attendais pas à avoir tout ça. Je fais la photo de Cathy, je vais la mettre dans, dans ma maison. En évidence, en mode regardez comme elle est trop belle. Salut Flo, comment ça va? Ah, j'ai plus de ploche. Vas-y, on a encore tellement... Manta, il me dit quoi? Ça par contre, ça veut dire que c'est un des derniers objets qu'on a avec la truc de loup. Salade de navet qu'on va surligner du coup. Merci Nico pour le plan. Aïe. Attendez, je vais aller remballer tous mes trucs. Oh, le papier de Mantin, il est beau. Ouais, il est beau. Attendez, je vais le prendre, ça m'intrigue trop son objet là. Soit le navet, arrêtez, je suis pas un navet. Juste un petit peu, mais ça se fait trop pas de le dire. Donc dites pas, merci. Par contre, j'ai tellement de lettres encore. Oh my god. Ah, mais elle m'avait déjà envoyé. Va falloir qu'on fasse un peu de tri dans notre boîte aux lettres à un moment donné, je pense. C'est quoi le cadeau de Mantin? C'est l'ombrelle, le tout dernier. Ok. Ah, oh, Slay, Yuneo. C'est une bonne nouvelle. Kuma, non. Qu'est-ce que ça fait, Lolo? T'as fait n'importe quoi encore? Ça m'étonnerait vraiment pas. La boîte, elle va exploser. M'en parlez pas. Déjà, regardez mon inventaire, s'il vous plaît. C'est un enfer. Donc, c'est bien leur photo, hein. Photos de marée et tout. Oh là 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 là, ça slay par contre. Je suis contente d'avoir leurs photos, je vais pas du tout m'en servir. En fait, on pourrait faire une pièce dans ma maison qui est un peu un sanctuaire aux photos. On pourrait faire un truc comme ça où on a toutes les photos au mur. Ça pourrait être sympa au moins pour s'en servir, mais bon. Ranger. Mais je ne savais pas par contre qu'elle envoyait les photos. Du moins, j'en avais pas le souvenir et je m'en rappelais pas du tout. Donc je suis assez étonnée. Ça, c'est tous les plans de la dernière fois. Mais nous, on vide la boîte aux lettres quand même, parce que là, fou lolo. Vas-y, Céleste, c'est pas de soucis. Des photos de classe, on dirait, hein. On dirait. Avec le DLC, les photos. C'est en faisant les habitants spéciaux. D'où le fait que ce soit Lou qui me les envoie. C'était n'importe quoi. Ah, par contre, la boîte aux lettres à SNL, ouais, j'avoue, 10 places par contre dedans, c'était tellement peu. C'était un peu nul en vrai. Que t'aies que 10 lettres dans ta boîte aux lettres. Après, bon, j'avoue que là, la petite boîte aux lettres, toutes ces lettres et tous ces colis là, ça fait beaucoup pour ma petite boîte aux lettres. Hein. Je sais pas comment elle a tout rentré dedans, mais tout est rentré dedans donc bon. Putain, il me reste tellement. Regardez tout ce que j'ai pas ouvert, c'est une vanne ou quoi? Il me reste tout ça. Mais par pitié, comment je suis censée faire? Mais depuis quand on n'a pas ouvert? Mais en même temps, j'ai tellement time travel, on a fait tellement de jours, on a fait 90 jours, ça m'étonne même pas qu'on ait autant de choses. On a tellement tété. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Pourcentage qui s'incruse, ouais mais Lolo, tu te trompes de bouton. Quelle idée aussi de se tromper. C'est un petit peu nul quoi. Salut Django, salut Louis. Salut Goldo, salut Ferina, salut Sophia, salut Julie et salut Lacroix, j'espère que vous allez bien.
Merci pour tous vos follow et merci beaucoup pour tous les likes. J'espère que vous allez bien sur TikTok. N'hésitez pas à venir sur Twitch si jamais vous voulez discuter avec nous. J'ai volontairement masqué les commentaires sur TikTok parce que je n'arrive pas à vous lire là-bas. Et que des fois, on se prend des trucs un petit peu bizarres. Donc, on a préféré masquer et ne plus pouvoir écrire, tout simplement. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si jamais vous voulez discuter avec nous. Vous avez mon Twitch à l'écran. Vous avez le lien dans la bio de mon compte si jamais vous voulez nous rejoindre. Merci Gourf pour le follow. Hop. J'en ai tellement des trucs là. Vous pensez que je vais faire combien de retours? Enfin d'aller-retour au rangement là. Au débarras. À la boîte aux lettres, j'allais dire, mais c'est pas du tout le bon mot. J'en ai tellement. Et merci Sophia pour le follow. Et Clocuro qui est VIP de ce stream, ça slay. GG pour le VIP. On a tellement tété. Ben oui, on a tellement tété. La JD, elle me harcèle carrément. De quoi rouleau? 456. C'est moi qui ai dit ça? J'ai dit ce chiffre? Il est énorme. Qu'ai-je dit? Salut Rafiti, comment ça va? Mais attendez, mais tout ce que j'ai fait là... Oh my god. Pour cela... Mais je vais jamais m'en sortir. Faut qu'on les récupère chaque jour en fait. Enfin quoi que non parce que ça va nous prendre de la place après. Putain mais tout ce que j'ai encore. C'est si terrible. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce que t'as à dire Rouleau? Salut Charisme, comment ça va? Ah j'ai plus de place. Je me disais bien. Allez petit unboxing, est-ce qu'on a des trucs cool là-dedans? Photo de Carla, ça je suis contente en vrai. Photo de Lazare. Runar. Keke. Et ça va me prendre tellement de place. Mais ça c'est des trucs tellement uniques, si tu les revends tu peux plus jamais les acheter ça. Pardon la porte, je fous des coups de chaise dedans. C'est des trucs tellement uniques que tu peux pas les racheter après. J'ai cure mes crêpes, OMG. Ça c'est bien. Pas tomber sur les messages bizarres en vue dans ta boîte aux lettres, crois-moi. De quoi, Marvin? Comment ça? Toile potagère. Tu m'as envoyé des trucs bizarres? Est-ce que t'essayes de me faire comprendre? Il part d'expérience vécue, qu'est-ce que t'as fait? Oui, j'ai des photos d'habitants en doux parce que les habitants ils peuvent s'en donner plein. Salut Liam, comment ça va? C'est quoi l'anecdote racontée? Merci Chouka. Non, attends, je t'en vais. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que t'as reçu? Tu me dis quand tu m'as envoyé? Tu m'envoies sur quoi? Sur Insta? Non, Louise, désolé. Salut Nadrae, comment tu vas? Merde. Aujourd'hui, c'est le pomme grenade. C'est celui qui est dans la commande. C'est le energy qui est écrit dans la commande. C'est vraiment mon préf. Je l'adore celui-ci. Il est trop bon, je trouve. Il a un bon goût de grenade, en fait. Il est vachement bon. Je connaissais pas le goût de la grenade avant. Puis maintenant, je le connais et j'aime bien. Ouais, il a une belle couleur, j'avoue. Il est tentant. On va aller déposer. Oh, c'est vrai, Liam. C'est bien, en vrai. Ça change un peu. Merci, Luna, pour ton follow. Merci beaucoup. Et merci, Marie, pour les 32 mois. Purée. My God. Ça rigole plus du tout, là. Hein. 32 mois, Marie. Presque les 3 ans, déjà. Et merci Clémentine pour ton follow, merci beaucoup. Merci Emeline aussi, merci. Merci Cara aussi, fake Cara. Merci beaucoup pour tous vos follows, bienvenue. William, je vois ça. Salut Miss Coraline, merci pour le follow aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch encore une fois. Merci Maria pour ton follow, bienvenue. Merci beaucoup pour tous les likes en tout cas, merci, merci. Salut Camille.
Mais les photos, elles servent à rien, Louise, en soi. Hein. C'est pas... C'est pas le truc de fou, quoi. Salut Yelda, merci beaucoup. En train de penser aux barrettes de RAM. Je vais te les faire sur ton front, les barrettes de RAM, tu vas voir. Tu vas arrêter d'en parler après. Une fois que t'auras subi. Tu m'as envoyé sur Insta, Marvin. C'est un clip. Ah! J'ai même pas besoin d'ouvrir la miniature du truc, c'est écrit quoi. Trois petits points! J'ai même pas besoin de l'ouvrir. Je vois ce qui est écrit. Salut Eva, comment tu vas? Bienvenue, merci pour ton follow. Coqueneux, il m'a appelé Coqueneux, je le déteste. Je te hais Lolo, Coqueneux toi-même. Appelle-moi Coqueluche, tant qu'à faire. Coqueneux. Coqueneux. De plus en plus aléatoire, vous. Hein. Merci beaucoup pour tous les likes. Merci, merci. Vous n'avez rien vu. Salut Malix, comment ça va? Purée, mais j'ai encore tellement de lettres là, j'en peux plus. J'aimerais bien refaire ma maison un jour. Mais une belle maison. Mais je sais pas quel type de thème je ferai la prochaine fois sur Commode. J'aimerais bien que ça me matche un peu. Bah, go refaire ta maison. Ouais, mais là, j'ai pas les objets, j'ai rien en vrai. Les deux, Shaima. En vrai, les deux, why not? Maintenant que tu le dis. Ils sont chiants, les habitants, ils me harcèlent. Je devrais ne pas du tout être amie avec eux, ils m'enverraient pas de lettres. Hein. Je vais tous les changer, je parlerai plus du tout à mes habitants, comme ça ils vont arrêter de m'écrire. La voisine horrible! Arrêtez de m'envoyer des lettres. Ok. Diminuez toute mon amitié avec les habitants. On va jamais s'en sortir. Gracia, il m'envoyait des trucs? Pourquoi il m'envoie des trucs? D'avoir décoré ma maison de vacances, voici un petit cadeau. Ah, mais c'est parce que j'ai fait leur maison la dernière fois. Et Mantin, c'est pareil. Ok, ils m'envoient leur cadeau. Jason, enfin leur photo, Maurice. Pollux. Joe. Mais c'était hier qu'on les a fait? Mais c'était il y a un bail, ça, qu'on a fait ça. C'est quand qu'on a fait ça? C'était il y a la semaine dernière, au moins, Max, la semaine dernière qu'on l'a fait, non? Cathy, au moins, ouais. Cathy aussi, Marie aussi. Putain, mais j'ai plus de place. Qu'est-ce qu'on a? Sac en fausse fourrure, mais on est trop des bad bitches ici. Miroir gothique. Oh non, c'est celui que je pense, c'est le miroir de Sonka. Oh non, putain. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai reçu le miroir possédé, les amis. C'est fini pour moi. Cette île va être possédée comme pour Sonka. Chikatikatu. Oh non. Très peu, je pense, d'entre vous auront la rêve de ça, du miroir possédé de Sonka. C'était vraiment le lore de mon île d'horreur, en fait. Yakumo, une version horreur. Quel enfer, furée. J'avais parlé une fois de refaire un thème horreur. Et j'avoue que ça m'intéresserait bien, mais sur un défi 30 jours aussi, je pense. Pas plus. Ça me saoulerait trop, après. Être dans le thème pendant tout un... Tout un moment, why not? Genre tout un mois, pourquoi pas, mais après, faut le dégager, quoi. Mais je peux pas faire sur Akomoon parce que sinon, faudrait que je supprime l'île. Et je peux pas supprimer l'île. Et enfin, ça peut être... Bah, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit ça sur YouTube, Roulia. Je sais plus quel est le pseudo de la personne, mais quelqu'un m'a dit... Ah, maintenant que t'as fini toute cette île en mode enfant, ce serait fou qu'il y ait un retournement de situation. Justement, tu parlais de faire une île type horreur, etc. Ça pourrait être l'occasion de faire ça ici et tout. L'idée, la personne avait détaillé tout le truc et tout, c'était trop trop bien pensé. Mais je peux pas faire ça ici parce que ça voudrait dire qu'on doit supprimer... Enfin, une fois que ce sera sauvegardé, il y aura plus rien du tout, quoi. Donc tu pourras plus voir
Enfin, une fois, enfin, vu que c'est rasé et pas reset, bah en fait l'île elle va disparaître à un moment donné, ce serait dommage, j'aimerais bien la garder si j'en refais une en vrai. C'est ça le problème que j'ai avec Akomoun, c'est que tous les thèmes sont temporaires en fait. Tout est temporaire sur cette île, c'est un peu dommage. Ça me saoule qu'elle soit meublée cette île parce qu'elle bug tout le temps. Et d'un côté je l'aime bien. Merci Ambre pour le follow. J'en ai des trucs hein. Pauvre moi qui trie mon entrepôt pour remettre de la merde dedans. J'ai tout remis dedans là, littéralement toute la merde du monde je l'ai remise dedans. Je passe mon temps à faire ça avec les colis des habitants, c'est un peu terrible. Non c'est bon, on est presque à la fin. Gulliver. Opélie. Maintenant Shashuka, si on fait une chasse à l'habitant, c'est Mais non, il y a Boum Boum qui est arrivé, Shashuka, on l'a fait venir, on a mis beau. Là, les habitants que je fais venir, c'est les habitants qu'il me faut pour avoir la fin des plans de craft, en fait. Donc c'est des habitants que je fais venir moi avec les amiibo, maintenant je les ai tous. Là pour le coup on s'embête pas, mais il y a déjà quelqu'un qui remplace Fashi. C'est Boum Boum, on l'a fait venir en amiibo. Justement pour qu'on se dépêche, qu'on n'ait pas à chercher 50 ans. Ok, on a fini la boîte aux lettres. J'ai tout raté, bah ouais je vois ça, c'est pas grave. Pauvre Fashi, arrêtez, il reviendra. Arrêtez, vous êtes trop méchants. Vous me faites trop passer pour quelqu'un d'horrible. Ce qui n'est pas faux, mais tout de même. Un peu de pudeur. Oh, punaise. Photo de Mamiral. Mais qu'est-ce que je m'en fous d'avoir sa photo à elle. C'est pour ça en fait. J'ai fait juste Amiral, j'ai eu toute sa famille là. Ça y est, ils m'ont saoulé eux. Allez, on va les remballer. Et on va regarder quand même dans l'entrepôt pour voir comment ça fait. Mamiral. Viande de Pachi. Ah, mais Lolo, t'es horrible. Merci pour le follow. Hop. Par pitiax, quoi. Prendre quelque chose. Et c'est tout en bas, les photos. Ça, c'est les habitants. Et là, on a tous les personnages spéciaux. Oh, la vache. Ça en fait, hein. Elle est belle, celle de Gracien. Celle des filles aussi, elles sont belles. Ticket, Layette et Cousette, elles sont pas mal. Et là, il me manque Rodrigue, putain, la honte. Pascal est trop mimes. Jason, il est so dark. Oh non, regardez, il y a sa mamie, Porcelette enfant. Sur sa photo. C'est pas trop mimes. Adorable. Par contre, Gulliver, ferme les yeux sur la photo, là. Tu fais trop peur, on dirait vraiment... un truc bizarre, là. Joe, Risette et Serge, évidemment. Astrid, Albin, sa photo est... Bon. Après, on a Charlie, évidemment. Charlie, d'ailleurs, qui est le seul personnage spécial qui te donne sa photo dans ce type de cadre-là. Voilà. Quand tu fais le labyrinthe du 1er mai, il te donne ce cadre-là. Sinon, il te donne celui qui est à côté, le classique là, avec le DLC par exemple. Mais il te donne cette couleur de cadre, normalement. Voilà, c'est le seul habitant qui te donne pas sa photo de manière classique dans un cadre en bois. Et après, c'est les habitants que j'ai eu plusieurs fois. Pour regarder, je... Philibert, je l'ai eu 3 fois. Pamela, 2. J'ai la photo de la Phobos sur Terre, là. Melba, 2 fois aussi. Cathy, oh mon petit cœur, elle est où? Regarde, t'es trop mignonne, je l'adore. Trop mimes, je l'aime trop. Allez, écoutez, on est reparti sur le DLC et on va continuer notre avancée. Merci Mounette pour le follow, bienvenue. Salut Titi, salut la love aussi, bienvenue à vous. Il y avait le pauvre Pachi, mais arrêtez, mais vous êtes tous horribles à me rappeler ça. Vous êtes trop méchants. En mode, j'ai fait l'erreur de ma vie de faire partir Pachi. Ça y est. C'est toi, t'es horrible, mais vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants. Fallait dégager Caro, mais pourquoi vous l'aimez pas comme ça, la pauvre? Moi, je l'aime bien. Je préfère Pachi à Caro, mais bon. On avait trop de garçons après. Mais tous d'accord, mais oui, vous êtes tous d'accord, c'est affolant.
Salut Kondiraton, comment ça va? Salut Chamallow, bonjour, c'est Karim. C'est terrible, elle ressemble à mon oncle Jean-Eude, mais... C'était une erreur, bien sûr. Bien pire que de laisser la branche. Oh non, Nanouche, arrête. Arrêtez, je ne vous lis plus. Vous êtes horrible. Vous voulez mon mal-être. Dites-le si vous voulez que je me sente mal dans ce stream. Jean-Euf. Chier. Une pensée pour lui. C'est trop méchant. Mais oui, Pachi. Mais oui, je sais, mais il reviendra, on le refera venir, vous inquiétez pas. C'est juste pour les plans, après il redégage, hein, boum boum. Elle va me dire, non! Tu fais pas partir, boum boum! Tu fais partir, Caro! C'est sûr, Roulial va me dire ça, c'est sûr et certain. C'est quoi, c'est une colombe que t'as mis? Pas boum boum. Arrêtez, vous êtes trop méchants. Vous voulez pas me laisser faire mes propres choix dans ma propre ville, là, ma propre île. Une minute de silence pour Pachi, s'il vous plaît. On prend Boubou après, c'est pardonné pour moi. T'inquiète, on a dit qu'on prendrait Boubou, de toute façon. T'inquiète. On va faire ça après, de toute façon. Vous savez, on a encore quelques habitants là à faire venir. Et puis après, c'est bon, quoi. On va la mettre avec... avec Pachi. Et je vous jure, je vais vous nuire, en fait. C'est ça, le truc. Je vous remue le couteau dans la plaie. On va le mettre avec Pachi. Allez, Ginette. Vous trouvez pas son museau à Ginette, on dirait, vous savez, les klaxons de vélo de nos grands-parents, là. Des trucs font... comme ça, là. Un peu, non? Bref. Oh, punaise. Merci pour les follows sur TikTok. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous les likes aussi, ça fait plaisir. Merci pour vos likes. Caro, elle a pas l'âge d'être... Faut être sur les streams, donc faut la virer. Bref. Caro, elle a entre 8 et 60 ans. La pauvre, arrêtez, elle a surtout un énorme écart. Il y a un œil qui a 8 ans, l'autre il en a 60 ans, oui, parce qu'ils sont tellement loin l'un de l'autre que bon. Elle est belle sa photo à Ginette. Le fond est sympa. J'aime bien l'idée. C'est qui après? C'est c'est le pote de Roulia après, mais je sais pas si j'ai son ami beau en fait. Me dites pas que je vais devoir acheter l'amiibo de Lionel, là. Ne me dites pas ça. Je l'ai... Attendez. C'est la numéro combien? Si c'est dans la première série, je l'ai en fait. Non, tout va bien. Ah oui, il est là, c'est ce moche. Il est dans la série 1. Il est derrière Choco, le pauvre. Il cohabite dans sa pochette avec Lionel. La honte. Ma phobs. Oh putain. Bon. Ah, Yuneo, je te banne. Ah non, t'as dit je rigole, ok, c'est... Plutôt finir noyé. C'est vrai que c'est pas faux. Merci Fanny, merci Chava pour vos follow. Non, c'est Choco, pas Coco. Ah, Choco, tu t'es trompé. My bad. Lionel, il a un charme en vrai. Ok, on va regarder ça. Tout de suite. Je vais te bloquer. Je suis dégoûtée. Il me dégoûte. Venez, on le regarde de plus près. Merci Lélia pour ton follow, bienvenue. L'amibo de Lionel. Veux-tu contacter ce personnage? Oui, bien sûr, je vais me moucher, j'arrive, bougez pas.
Excusez-moi, mais par pitié, là. Je suis complètement abasourdi en me mouchant. C'est quoi cette dégaine? Il est encore plus moche qu'avant. Lionel à l'appareil, j'écoute. Avant une maison de vacances pour moi, par toi. Vous savez ce que j'aime pas chez Lionel, en fait, c'est qu'il... Regardez sa manière d'écrire. En fait, il écrit de manière à tout raccourcir. J'écoute, point. Point. Ah bon, point. Une maison de vacances, point. Pour moi, point. Par toi, point. Bam, super. Super idée, j'aime. Mais je dois évaluer. Je suis pas maçon, moi. Ni décorateur ou plombier. Il me dégoûte la vie de ma mère et me répugne. Du coup, hein, tu construis? Je me tourne les pouces? Ah, fallait le dire plus tôt, je déteste sa manière de parler. Il me met mal à l'aise. Genre, je sais pas pourquoi, je ne peux pas me le blairer. Il me met mal à l'aise. Merci Margot pour ton follow. Je ne peux pas, vous arrivez vous? Pitié, regardez-le avec ses... Il a 3 poils sur le caillou. C'est vraiment notre oncle à tous, hein. Purée. Et toi, je te connais, toi. C'est ma nièce, là. C'est vrai que c'est l'oncle de Lou. T'arrives pas d'éloge à ton sujet. Il me dégoûte. Excusez-moi, je passe. Hein. Mais regardez comment est son cou, il est en avant. Il a la tête comme ça. Il est genre... hyper avancé. Mais non, mais avec Albin, là-bas, loin. Mais oui, MDR. Il a le cou super en avant, il a sa tête qui fait... comme ça. Une position de poule, vraiment. Merci Léa, merci Eclipse pour vos follow. Il me répugne, je peux pas me le blairer. Je peux pas me le blairer. Je suis contente qu'une fois qu'on l'ait fait, maintenant il sera passé. Pour l'heure, Clora, merci. La coloc du cringe, ma phobie. On met avec Albin. Pauvre Albin, j'ai de la peine pour lui. Pas du tout, non, il se ressemble pas du tout, hein. C'est vrai qu'ils ont pas du tout la même tête. Ils se ressemblaient plus sur l'époque de... Mais là, Lionel, honnêtement, il ressemble pas du tout à Lou, alors qu'il se ressemble vachement plus sur l'époque de New Leaf et des Amiibo. Là, j'ai l'impression qu'ils l'ont mal redesigné, quoi. Oh, la gueule du cou, par pitié. Regardez son cou. Je pense que je peux pleurer pour ça, là. On dirait un AirPod. Oui, attendez. Je suis terrible. Quelle immondice, purée. On peut pas, y a pas un masque entier qui reprend tout le visage. Putain, c'est pire. Y a pas un casque là, genre, un truc qu'on peut lui mettre pour plus le blairer, pour plus pouvoir le voir. Pff, va te faire quoi. On met les masques derrière sa tête là. On lui met un chapeau. Oh la honte. Non mais regardez. C'est un Swiftie. Lionel le Swiftie. Je vais mourir. Limite sans lunettes, il est mieux, mais oui. Remets-lui les lunettes. Attendez. C'est où? Trop un Swiftie, Lionel. Purée, quelle beauté. Il me répugne. Alors là... Ah,
avec des lance-flammes. Non, arrêtez, on va pas lui faire vraiment sa déco. Ma Forbes, il me découvre. Bon, il me faut Robusto maintenant. Where is Robusto? Je peux clam, c'est moi donc. Où il est Robusto? Robusto, il est là. Je me demande si on l'a pas déjà fait. T'as été généreuse, t'as mis 6 photos, c'est vrai, j'ai été trop gentille, j'aurais dû lui mettre un coprolite dans sa maison. C'est tout ce que j'aurais dû lui mettre. Mais ça veut dire que je vais avoir la photo de Lionel. Merci Girouette pour le follow. Et merci Gaël, Jojo, Léa. Et je sais pas c'est quoi le... C'est un I? Je sais pas ce que c'est le pseudo. C'est des symboles, mais merci beaucoup. Le papy du café hibou. C'est qui avait dit ça? C'était Océane qui avait dit ça? Je sais plus. Un papier peint poubelle, pitié. Limite, vous vous embrassez là. Pourquoi tu dis ça? C'était Clôture, mais c'est qui Clôture? Ah, Clocuro! Ou Kida, je sais plus qui a dit ça. Allez Robusto, viens mon petit loulou, on t'invite. Après on fait mon crush ultime d'Animal Crossing. J'avoue j'ai un énorme crush pour ce personnage. Mais c'est un peu la honte, du coup je préfère pas vous dire tout de suite qui c'est. Même si vous saviez déjà parce qu'on a déjà parlé 110 fois. Où il est? Quelle série? Mais il est où ce con? Ah il est là-haut. Bref, Kali. C'est quoi? J'ai bien lu. Big Daddy, il a dit. Non, c'était pas Clocuro, mais c'est qui a dit? Non, mais c'était Océane, non? Je sais plus qui a dit ça. Merci Fennec pour le follow. Purée, vous avez été drôle, hein. C'est Lionel ton crush. Pourquoi tu dis tout haut, tout ce que tout le monde pense pas, tout bas, ta haut? Ça veut rien dire ma phrase, mais t'as capté. C'est Kida. Judas. Bon, allez, c'est bon, elle. C'est Judas. Judas la poucave. Ça y est. Je sais plus qui c'était, mais c'était vachement drôle. Ah. J'avais pas vu ça. Putain, je suis d'un... Ah ah! Normal, c'était Lady Gaga en fait, mon crush. Ok Lady Gaga. En vrai, Robusto. Kali. Non, je rigole, abusez pas. En V2V. Robusto. Oh! Il a des yeux? Alors là, si je l'imaginais de la sorte. Trop un fou, lui. En vrai, Robusto. Il a des yeux, je vais mourir, mais il avait pas d'œil avant. J'imaginais pas ça, c'est que... enfin, comme ça, ses yeux. Il a quatre sourcils, mais non, c'est des yeux. Lui, il a des barrettes de shit. Il a des barrettes de rat, mon sourcil. Elle s'appelle 1, ta villa. Il faut le laisser tranquille, SVP. Mais justement, on est en train de dire qu'il est... miam. Les yeux. Vous êtes drôle. J'avais pas vu, Tulip, je viens de te gérer, j'avais pas vu que ça t'avait ban, désolé. Mais pourquoi ça t'a... Attends, non, doit y avoir un problème. Je regarde pourquoi ça t'a... J'ai pas vu, en fait, passer, je serais un ban tout de suite, désolé. Hein. À 6, pourquoi elle t'a ban à 6? Mais t'as juste mis un clip, pourquoi elle t'a dégagé, c'est quoi cette histoire?
Putain, c'est bizarre. Normalement, les clips passent. Vous avez le droit de mettre des clips dans le chat, hein. C'est pas un souci, ça. C'est fait bonne pour un clip, mon pauvre. Qu'est-ce qu'elle a dit suite à ça? Bah oui, regarde. Pourquoi elle t'abonne? Elle a même pas mis de message. Je suis désolée, je sais pas pourquoi elle t'abonne. En plus, là, il passe le truc, je comprends pas. Putain, regardons cette beauté. Lionel à l'appareil, j'écoute une maison de vacances pour moi par toi. Je suis imitatrice professionnelle, en fait. Attends, je regarde quand même, parce que c'est étrange. Mais pourquoi? Ah, tu sais pourquoi? C'est parce que t'as mis deux émotes qui sont écrits uniquement en majuscule et elle a compté que les émotes et du coup ça a fait comme si ton message était 100% en majuscule et du coup bah que ça spammait. Du coup elle t'a time out. C'est les émotes en fait, les lules elles sont écrites en majuscule. Si vous mettez trop de lules, uniquement ça, ça va considérer que c'est un message en majuscule et du coup ça va vous time out. C'est pour ça, c'est vraiment débile. C'est même pas le lien le problème, c'est vraiment les émotes de Lul. Parce qu'elles sont toutes en majuscules. C'est pour éviter les gens qui crient en général. Ou quand c'est vraiment démesuré quoi. Vu que le lien n'est pas compté comme des minuscules à proprement parler, bah ça... Voilà, désolé. Touchez votre nez, c'est l'heure du nez. Je continue. Salut Morgane, ça va être toi? J'ai un peu faim là. J'ai un peu la dalle. Allez, c'est l'heure de mon crush ultime et je veux rien entendre. C'est vraiment le plus beau des personnages spéciaux, je trouve, en tant que mec. C'est vraiment mon crush depuis que j'ai 8 ans, depuis un temps inavoué, depuis Let's Go to the City. J'allais me faire mes chaussures tous les jours chez lui tellement il était trop beau gosse. Voilà, je le dis, mon crush ultime du jeu, Blaise. Osez dire qu'il est pas beau gosse. Je vous banne. Oh là là, regardez ce beau gosse. Si c'est de la pub, c'est non, hein. Il était en train de me dire no way. On dirait un papy, mais non. C'est un jeune qui s'habille trop bien. Ça se voit, lui, c'est un bosseur, tu vois. Je croyais que c'était un mec, mais c'est un mec. Blaise. C'est un mec, Blaise. Tu penses que c'est une fille? Je pense que c'est Charlie, ton crush. Mais non! Carrément, Blaise. Charlie, non. Bah, je voulais dire une meuf. Ah non, non, c'est un mec, Blaise. Il se genre au masculin depuis toujours. Il mérite une bonne maison. Franchement, ouais, hein, il mériterait. Mais bon, est-ce qu'on a le temps? Pas trop. Faut qu'on n'a pas le time pour lui. C'est vrai qu'il mériterait une bonne maison, mais bon, on n'a pas son temps, quoi. Nous, ici, on est trop dans l'efficacité. C'est le seul qui a des cheveux, c'est vrai. Attendez, faut qu'on fasse un truc. J'ai besoin, moi, de voir un truc parce qu'il a un chapeau. Ah non, attendez. You better not. Excusez-moi. Je l'avais dit, Marvin, il a pré-shot, hein. Mais c'est immonde.
Merci beaucoup pour tous les likes sur TikTok. Merci beaucoup. Bienvenue, Emma. Merci, Louise. Merci, Loane, pour vos follow. Excusez-moi. Je m'attendais... Non, non, par pitié, là, c'est immonde. Mais là, ils ont voulu lui nuire ou quoi, là? C'est quoi cette merde? Ils veulent lui nuire, hein? Mais c'est pas possible. Mais aucun chapeau ne lui fit. Bois de l'eau, gouttelette. Mais même son chapeau, je suis désolée, ça c'est son chapeau, ne lui va pas. Excusez-moi, je peux pas le regarder. Merci pour le à boire. Je pense que là c'est mieux qu'on y aille. C'est mon crush hein, toujours, mais faut pas lui enlever son chapeau quoi. Ça fait tout le chapeau. Ne l'enlève plus jamais. Je ne veux plus le regarder sans. Oh, c'est vrai, Chloé? Bah, go se motiver, hein. Crush avec chapeau. Avec chapeau uniquement, sans chapeau, c'est pas le mien. C'est pas mon crush. Je vous avoue. Salut, Elxia, comment ça va? Même avec son chapeau, j'aurais l'image à vie en tête. Bah, maintenant, oui, bah, Marvin nous avait dit, hein. C'est comme quand on lève une casquette à quelqu'un qui a une calvitie. Ouais, un peu. Ou qui chauffe en dessous. C'est vrai, hein. Il a raison, Marvin, il a pas tort hein, dans ce qu'il dit. On a été surpris, hein. On saura maintenant que bon, faut pas, quoi. Allez, allez. Non, t'inquiète, Blaise. Tu resteras beau gosse dans nos cœurs. Marvin, j'ai vu, hein, ton message. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? J'étais curieuse. Il est chaud. George Jackie. Merci Laïa, ça fait plaisir. Et merci Elena. Trauma à vie. Je suis désolée de vous avoir causé ce genre de trauma, j'aurais jamais dit. Je vous jure, ça tiendrait qu'à moi, ça se passerait pas comme ça. Hein. C'est un tonton lui aussi. Arrêtez le pauvre. Là, j'amène vraiment un tonton. Là, je vous amène vraiment un tonton. Ses cheveux, c'est un toboggan. C'est si terrible, je vous assure, c'est vraiment si terrible que ça. C'est d'une immondice. N'en parlons pas, quoi. N'en parlons pas. Je vous amène un daron, là. Non, Jarod. Eh ouais. Jarod. Oui, j'ai déjà fait Jason. On l'a déjà fait depuis longtemps, ouais. C'est un papy. J'avoue. Roulia. Est-ce que ce serait pas Snoop Croc? Excusez-moi, mais les modes de Snoop Croc. Si, si. Est-ce que tu peux nous mettre les modes Snoop Croc, s'il te plaît, dans le chat pour... Regardez, c'est Jarod. Les modes Snoop Croc. C'est le papy de Pascal dans Réponse, j'avoue. C'est un animal préhistorique. Arrêtez, c'est un caméléon. Merci le formateur pour le follow. J'ai ma pitié, reviens. C'est si terrible, vraiment, je vous jure. Snoop Croc. Shaima. Drôle, drôle. Faut dire. C'est drôle. Bref, Snoop Croc. Allez, viens, Snoop Croc, on te fait ta maison. Bah, c'est les modes de Roulia, faut être sub chez Roulia pour l'avoir. Voilà, tu seras content, Snoop Croc, avec ton filet là. Tout est prêt. En vrai, son sac il est beau, hein. Il a deux sacs.
C'est gratuit pour les... Ouais, mais ça marche que chez toi. Du coup, ça marche pas. Faut être sub chez toi pour utiliser les emotes de follow chez les autres. Par contre, les emotes de follow chez toi sont gratuites. On peut les utiliser dans ton chat. Allez dans le chat de Roulia et mettez des scoops croc hein, si vous voulez. Ah, triste. Ouais, c'est un peu triste. Ah, faut la follow aussi. C'est vrai que c'était votre affiche, elle est un petit peu Snoop Croc. Un petit peu Snoop Croc maintenant que tu le dis. Bon, j'ai pépé ça. Hop. Salut Aurore, comment ça va? Moi ça va bien, merci. Tu m'as dit que ça allait bien, j'ai pépé. Merci beaucoup. Sacré Snoop, vraiment. Sacré Snoop. Putain. Je préfère les modes Snoop Croc quand même. Que la grenouille. Bon alors. Voilà, c'est à Pépé Helium de faire son apparition. Et Titi, merci beaucoup. Merci beaucoup Titi pour le sub, pour le 8e mois déjà. Ça passe vite, hein. Le temps passe. Merci beaucoup. J'espère que ça va bien. Je suis en train de chercher Pépé Helium, il est là. Merci Mel pour le follow, bienvenue. On va aller voir Papy Helium. Mais Helium, il a des lunettes et un chapeau. On va pouvoir le foutre à poil, on va regarder. On faisait dire du mal de Helium, mais Helium, je l'adore. Helium, c'était vraiment genre... Comment expliquer? Trop content quand tu le voyais. Ça voulait dire que t'allais avoir un badge et tout. C'est vraiment trop, trop le sang. Même quand tu le voyais sur... Let's go to the city sur City Folk, t'étais trop content de le voir parce qu'il te donnait des ballons et tout. Salut Lolipa, comment ça va? Je sais pas qu'il y avait le lézard. Bah c'est un caméléon, c'est pas un lézard. C'est pas pareil, en vrai. Oui, ça te voit, il est papy, regardez ses sourcils, ils sont blonds. Pour ça qu'il a une mèche de cheveux sur son truc là. Je vais vous montrer Snoop Croc, bien sûr que je peux leur montrer Snoop Croc, avec plaisir. En fait, c'est un jour... Je crois que c'est Rouleau ou c'est Sheima, je sais plus. Je crois que c'est Roulia. Elle est tombée sur ça. Sur Instagram. En fait, c'est un compte d'un mec qui comment dire... En fait, ce mec-là, il fusionne un humain... C'est Sheima. Ok. Il fusionne un humain et un animal. Et cette fois-ci, c'était un... Je sais pas, un croco, un... Quelque chose comme ça. Et genre, elle envoie ça. Elle envoie ça. Et je sais pas c'est laquelle des deux qui a dit, putain, on dirait pas un peu Snoop Dogg? Franchement, un peu. Et du coup, c'est un lézard, ok. Et du coup, c'est devenu Snoop Croc. Parce que c'est un croco. La photo avec les cils. Mais ils ont toutes des cils, Rouleau. Ah oui, là. On dirait un peu Snoop Dogg. Du coup, c'est... fait peur sa mère, en vrai. Du coup, c'est un peu drôle. Et du coup, c'est lui, Snoop Croc. Oui, elle. Oups. Elle est un peu drôle. Et du coup, voilà, c'est lui, Snoop Croc. Merci, Gigi. Merci, Nashimel et M7TS pour vos follow. Bienvenue. Allez, on va la mettre là-bas. Je vais hurler, c'est si drôle. Mais c'est tellement drôle. Merci, Créatif Toi et Lisa, pour vos follow. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est si terrible. J'ai envie de foutre à poil Helium, là. Ben, pas à poil, mais... Allô, louche. De lui enlever ses lunettes, parce que je sais pas s'il a des yeux en dessous. J'ai l'impression que non. Et de lui enlever son chapeau, pour voir s'il a des cheveux. Oula. Bah alors, bah c'est pas moi. Mais attendez, j'ai l'impression vraiment qu'il a pas de yeux, par contre, en dessous. Comment la vie a évolué, alors... Alors, ne vous choque pas. Ne vous moque pas. Chacha, ton message il est un peu marrant. Il est un peu marrant. Il a des choses sous son chapeau, lui, c'est sûr. Et bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. Salut Pandy. Ne vous moque pas. Ne vous moquez pas, on avait compris. Ok, alors attendez, je me permets. Ne vous moque. Moi, je me moque, mais bon. Oh non, il est juste chauve. Bois de l'eau, gouttelette. Oh non, il est tellement vieux.
Mais attendez, c'est une putain de loutre encore. Il est trop mimes, il est trop chou. Merci pour le bois de l'eau. Pour l'exclamation Oli, n'hésitez pas si jamais vous avez 10% sur votre première commande et 5€ sur les prochaines grâce au lien qui est dans le chat avec le point d'exclamation Oli. Cette posture, en même temps, il se l'aille trop. C'est un castor. Un phoque. Genre, j'ai besoin de savoir ce que dit le wiki Animal Crossing Helium. Je vais regarder. Une otarie. Un lion de mer. Voilà. C'est un vieux lion de mer. Il est si vieux, purée. Lou et Lionel, c'est des belettes, by the way. Mais non, c'est des loutres. Espèce, loutre. Pascal, c'est quoi? C'est une loutre aussi? Pourquoi ils se ressemblent pas? C'est le wiki qui le dit. Le wiki dit vrai, vu que c'est le truc fandom. C'est une loutre aussi, Pascal. Ils se ressemblent tellement pas. Des belettes sur le wiki. Ah bah sur le wiki c'est écrit que c'est des loutres. Attends Lionel, ils disent quoi? Des belettes, j'avoue, ce serait un peu drôle. Ah! Bah what the fuck, Lionel c'est une belette. Mais Lou c'est une loutre. What the fuck, c'est censé être son oncle. Ah! Mais où elle est la loutre dans le truc là? C'est une belette. Mais Lou c'est une loutre. C'est son oncle. Il y a un problème. T'as raison Lissi du coup. Bah qu'il aille se faire foutre sa belette là. Espèce de belette de merde. Tu te détestes. Insultons-le. Merci Soléane. Soléane, ouais, c'est ça. Merci pour deux âmes solitaires et merci Iliana pour vos follow. Bienvenue. Merci beaucoup pour tous les likes, en tout cas, ça fait plaisir. Merci. Il est adopté, je pense. Hein. Merci Margot. Je pense qu'on peut faire genre, il était pas là, ok. Oh, c'est, ok, c'est à Roberto là. Ok, il est là, Roberto. Roberto, lui, je le trouve spectaculairement beau gosse. Il est d'une élégance. Il représente la communauté LGBTQ+, QIA+. Je voulais la faire en anglais, mais je l'ai pas en anglais. Il représente la communauté LGBT, lui, c'est sûr. Il s'appelle Pavé en anglais. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Comment ça, elle est pas connectée? Sous ma gueule ou quoi? Bah what the... Qu'est-ce qu'elle veut? Connecter la manette, c'est une blague, elle est pas connectée là peut-être? On se fout de moi là. On veut me nuire. Salut Piwi, comment ça va? Regardez cette beauté! Il est beau gosse, hein. C'est un des trop trop beaux personnages du jeu. Je suis désolée, il est trop beau. Il est trop beau! Chacha, tu veux te faire ban ou quoi? Il est tellement élégant, genre, excusez-moi. Oh, il est si beau ce personnage. Sexy, il est super sexy aussi. Genre. Regardez ce liner. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Des plumes et tout. Bah, et c'est le personnage spécial du carnaval. Oui, il a une vibe du carnaval de Rio. Est-ce que c'est lui l'organisateur de l'événement du carnaval de Rio? Forcément, du coup. Salut Manon, comment ça va? Tout s'explique donc, finalement. Une icône, mon icône. Je l'aime, il est trop cool. Salut Chloé, comment ça va? C'est, moi, je trouve que c'est un palmier. C'est la meuf qui a rien compris. Voilà, oui. Il est trop beau, hein. C'est un trop beau pan.
Il a... Robusto, il a une vibe café. Vas-y, c'est ta gueule. Vous êtes trop cons, c'est trop... Arrêtez. Le plus coquette, j'avoue. oui, j'ai tout fait. Il me reste plus que les personnages spéciaux, du coup, à faire. Par contre, c'est... Ah oui, j'avoue. Par contre, il ne sait pas marcher, hein. Il ne sait pas marcher. Il marche en mode... Hating on me. Désolé, mais bon. Attendez, on refait... Je veux le revoir marcher. Il marche drôle un peu. Donnez-lui un fauteuil, vite. Arrête, le pauvre. Mais non, je suis en train de capter, c'est même pas le truc des majuscules tout à l'heure. Mais pourquoi ça t'a banné alors? Je comprends pas. Ça a banni Tulip vraiment de manière aléatoire tout à l'heure. Parce que là, je recherchais à la mienne message en majuscule, ça le banne pas, hein. Je sais pas pourquoi ça a banni. Salut Amy, comment ça va? Bisous Tao, merci d'être passé. Et merci Pauline pour le follow. N'hésitez pas à venir sur Twitch encore une fois, le lien est dans ma bio. Car je suis drôle. En mode Tulip était pas drôle tout à l'heure. C'est un peu terrible. Allez, ça va être à Racine après. Est-ce que je l'ai là, Racine? Non, il va être dans la série 1, Racine. Même pas. T'as pas rêvé de moi. Excusez-moi, j'ai eu un spasme. T'as pas rêvé de moi. Trop louche. Oui, Racine. Même pas un peu. Série 3. Je l'ai pas vu. Pourquoi je le vois pas? C'est peut-être parce que je suis dans la série 4 là en fait. Ah oui, là. On voit les sauts iconiques en même temps normal. Merci Lou. Je continue. J'ai pas dit iconique. Elle est so unique. Désolée, je sais pas lire. Tu devrais savoir depuis le temps. Allez, hop. Oui, Pocket Camp, il est encore là. Hein. Vous avez encore le de quoi y jouer. Il sera plus là en novembre. Et encore, il sera plus là. Si, il sera là. C'est juste qu'il sera payant. Je sais, c'est pour t'aider, mais je sais pas lire, en fait. Vous devriez le savoir, en fait. Racine, je l'adore. Il est trop mignon. Ça se voit, il est trop gentil dans la vie de tous les jours. Un paresseux, en même temps, ça peut pas être méchant, j'ai envie de dire. Le jeu sera mort, bah le jeu, il sera plus jouable, en fait. Le jeu, il est shut down le 28 novembre. Et le 29, je crois que t'as la nouvelle appli qui sort, un truc comme ça. Recoiffure, rafraîchis, ça slay, slay. T'as coupé tes cheveux, Lolo? Si on paye pas, on sera... On a plus les mêmes, ça... Mais je sais pas si... si on pourra les avoir encore, hein, Jaima. Je ne sais pas si ce sera possible de les réavoir. Normalement, oui, mais vu que c'est une appli qui sera plus connectée à Internet... Je sais pas comment ça va fonctionner, hein. Bah, Pocket Camp. L'IA. Version payant. Pour l'instant, on l'a pas encore, donc faut attendre que ça sorte, mais... Le jeu, il est jusqu'en novembre, hein. On est au mois d'août, vous avez le temps. Hein. Vous avez encore toute la fin août, septembre, octobre après, hein. Donc on n'est pas pressé. J'ai pressé ma coupe slay.
Moi, je trouve pas ça abusé, moi. Je suis plutôt contente, même qu'elle soit payante. C'est comme ça qu'ils font vivre l'appli, hein, s'ils veulent des revenus dessus. Là, l'appli, c'est les achats intégrés dedans, donc... Ouais, presque tout le mois de novembre, c'est vrai. Moi, ça me choque pas, en vrai. Je préfère qu'elle soit payante plutôt qu'elle disparaisse, tu vois. Après, payante, ça va être genre 2-3 euros, quoi. 5 euros max, je pense, hein, pas plus. Ça va pas être 10 balles, l'application, faut pas abuser non plus, hein. C'est pas Nintendo qui fait l'application, c'est un petit studio à part entière, donc... Merci Loulou pour le follow. Ah oui, Elias, que tu dois être Belgique ou Suisse. Les Belges, vous l'avez pas l'application. Mais là, du coup, vous allez pouvoir l'avoir parce qu'il n'y aura plus d'achat intégré. Normalement. Mm-mm. Merci pour l'eau, bébé licorne. Mais oui, je pense qu'il sera pas cher, RL. Hein. Je pense pas qu'il soit à plus de 7 euros, hein, franchement. Même 5 euros, moi, ça me paraît énorme. Mais je pense qu'il sera dans les 5 euros. J'espère qu'il sera à 3, mais... Faudrait jouer normalement. Bah, je pense, ouais. Ni Suisse, ni Belgique. Ah. Ah, t'as juste un tel de merde, c'est ça? Pourquoi il devient payant? J'ai fait une vidéo qui est sortie dessus ce matin. N'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez des informations sur Pocket Camp. Elle est vraiment sortie ce matin. J'ai la flemme de me répéter tout ce qui est dit. Je vous avoue. Elle est épinglée la vidéo au chat, donc n'hésitez pas. C'est le tour de Serena. Je pense pas, Lolo, en vrai. Hop, Serena, Zelandwin. Elle est avec ma gogo. Je l'ai bien remise dans le bon sens. Je l'ai pas mise à l'envers, oui, c'est bon. Elle est trop belle, Serena. C'est le seul personnage du jeu qui a des seins. Réel. Salut Lilou, comment ça va? Merci pour le follow. C'est gros tété, finalement. La tante de Blair. Arrêtez. Qu'à Beyoncé, c'est vraiment le seul perso du jeu qui a des seins, genre. Ça me fait rire maintenant que j'y pense. Avec son petit rouge à lèvres et tout, là. Serena Gomez. Arrêtez. C'est des faux, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes là en mode, ouais, la chirurgie esthétique, c'est des faux. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez été vérifié? Vous avez mis la tête dedans? Vous avez fait dessus? Je crois pas. Vous ne pouvez pas savoir. Ne parlez pas avant de savoir. Ah, après, Serena, t'es pas obligée de te foutre des claques dans les ins, là. On a tous tout vu, là. C'était un peu gênant. Merci, Axoul, pour le follow. Merci, Béa, aussi. J'ai fait blablabla. Ah, bah, je vais te bannir, alors. J'ai vérifié, ce sont des vrais. Voilà, merci Lolo qui a été vérifié pour nous. Allô? Ça bug, j'entends pas là. Je sais pas, ça bug. Elle applaudit ses pouces. Drôle. Allez, ce sera bien. Moi, elle m'a dit c'est des faux. Non, je pense que c'était trompé Rafiti. Elle a forcément dit que c'était des vrais à Lolo. Moi, elle me l'a dit aussi, c'est des vrais, donc faut pas mentir. Faut pas mentir. Elle applaudit ses pouces. Ce sera très bien, ce sera 11. Ce sera parfait. C'est bientôt l'heure du goûter, ça va slay. Ok, Racine c'est bon, maintenant c'est Gulliver, mais Gulliver n'a pas de carte amiibo, et du coup c'est Rodrigue qui nous manque. Et on a fini, écoutez. Rodrigue que je n'ai pas. Donc Follet et Rodrigue, pour terminer ça. On va repartir sur les crafts. Ok. Oh putain, chier. Allez, on a terminé les amiibo. À moi les Pwing. Et oui, Nanouche, c'est reparti, ça veut dire que les prix d'y recommencent. Vous me permettez de compter juste ce qui me manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40 piles, il m'en manque. Merci Yuki pour ton follow. Oui, c'est comme ça que ça s'écrit. J'ai l'amibo de la Sindel. Ben bien sûr que oui, j'ai l'amibo de la Sindel. Allez. On se casse en fait. Donc là, il me manque plus que deux personnages. Gracien, Cécile, un amibo. Salut Lilou, comment tu vas? Tant qu'on est là. Est-ce que j'ai une nouvelle... de nouveaux plans de craft sur les 5 que je vais aller chercher ou pas? Vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à voter. Ah mais il y a un loto qui est en cours. Bah je vais me faire foutre. Désolée. Il faut qu'on fasse venir vous aussi, c'est vrai, purée. Je ferai après la prédit. Ou sinon, allez-y, votez là pour la prédiction. Je vais l'écourter. Je vais l'écourter. Je vous laisse la fin du... Je vous laisse 2 minutes pour voter. Je mets le chrono en haut du temps qui vous reste pour voter à la prédiction. Je redis le chrono qui est en haut de l'écran et le temps qui vous reste pour voter à la prédiction avant que je ne l'arrête prématurément. N'hésitez pas à voter maintenant. J'espère que le message est bien passé. La grosse chiante, putain. On va récupérer tous les plans en attendant. Putain, j'éteins tous les trucs. Il me manque 40, Azuchan. Je vais pas te les lister, là, je t'avoue. Ça fait un peu long. Je peux pas dormir ici. Bah non, tu peux pas dormir. Non, c'est interdit. Hop les. Lolo. On dirait vraiment ça. Allez, il vous reste 6 minutes pour voter et après j'arrêterai la prête. Allez, bye, bye, Héloïse, bye. Si je déstonks, si je quitte la chaîne. Rouleau, t'as une chance sur 10 de stonks, donc il y a 9 chances que tu dégages de la chaîne. Ça fait un peu. Bon. C'est un peu. Je veux partir de la chaîne, je trouve une excuse. Ok, c'était un peu ça apparemment. Vous êtes trop vilain. Salut Baba, comment ça va? Non non t'inquiète, chapeau chapeau. Bizarre. Un peu de loucherie par ici. Un peu de loucherie. De loucherie s'il vous plaît. Je connaissais pas. Je savais pas que vous connaissiez le mot loucherie non plus. Allez hop! Il reste 17 secondes, pensez à voter! Votez, votez! Qui mise 5, ce sera pas 5. Ah, dommage pour toi, Lolo. On va faire la bouteille à la mer. Craft habitant. Non, craft habitant, bouteille à la mer et amiral. Pitié, dis-moi que tu craftes. Ma marine, jamais elle craft, elle. Mais attendez, je suis en train de réfléchir, là. Si là, je fais venir un nouvel habitant, genre à la place de Marine. Marine, sa maison devant, là, le banc, il va sauter, non? C'est normal, Vava, puisqu'elle a prédit du loto qui est lancé et que qui va être terminé maintenant. Donne-moi un nombre entre 1 et 10. Oh non, il est malade. Le résultat est 9. La chance qu'on a, Roulia va rester parmi nous finalement. Je me disais bien qu'il y avait un petit problème. Qu'elle pouvait pas partir comme ça. Désolée, Roulia, tu dois rester. Et... Voilà, prédiction lancée pour les plans, n'hésitez pas à voter. OMG. Voilà. T'as gagné combien, Rouleau? 10 milliards, j'espère.
J'ai midi ça, désolé. Elle va nous dire qu'elle a gagné 10 milliards. J'ai donc 18 000, oh. Ça c'est bien. J'avais misé quoi moi? J'avais misé 4. Tant pis, on peut pas gagner tout le temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Le t-shirt, t'aimes pas? Moi j'aime bien. Et dire que j'ai aucun point ici, mais que Sheimosh elle a sorti. La honte. C'est pas Sheimosh, déjà c'est la Dark Sheima, tu te trompes et tout en plus. Mais j'ai plus de place pour les bouteilles à la mer, je fais me flingax. Merci Clint pour le follow. Bonjour Yuki. Toujours plus ici, hein, les premiers messages dans le chat. Putain, je vais hurler. Ok, je crois que c'était un coquillage. On va tout reposer là. Salut Rafa, ça va et toi? Comment vas-tu? Allez, on va se faire foutre pour la bouteille comme d'hab. Bah rouleau, oui, c'est ça en plus. C'est ça. Par je ne sais quelle raison. Oui, parce qu'on t'a modéré, parce que ton premier message dans mon chat, c'était riche ou pas? Bonjour, Yuki. Je réitère ma question, enfin ma question, mon affirmation. Bonjour, Yuki. Je ne sais quelle raison. La raison, politesse. Le prums. Il n'y a pas de props. Il n'a pas été supprimé. Bah alors remets-le quand il y passe pas. Si votre message y passe pas, que vous voyez qu'il s'envoie pas, c'est soit qu'il y a une bonne raison, donc c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ce que vous avez dit dans le chat. Si vous arrivez et que vous me dites « Salut, tu fais quoi ?» Je vous réponds pas, parce que c'est écrit dans le titre. Sinon si vous avez dit d'autres trucs qui ne passent pas, c'est forcément que vous avez mis un truc qui passe pas. Mais je vois pas en quoi un salut simple ne passerait pas. Désolé, mais même en deuxième message, le t'es riche ou pas, bon, précise déjà vraie vie dans le jeu. Parce que bon, j'aurais pu rester sur l'île. Votez pour la prête, je vais la finir là. Enfin, on va regarder les résultats, donc vous aurez, enfin, vous aurez plus le temps de voter après. Salut Zelda, comment ça va? Don panier zéro. La ruche, ça on l'a, c'est sûr. Ça on l'a, c'est sûr. Cake salé? Sorry, je pensais ne pas l'avoir. Ah, bah écoutez, je n'en ai pas de nouveau. On va time travel. Mais il fallait qu'on fasse un truc avant. Tant pis, on va time travel quand même. Oui, c'est ça. La vie est perdue complètement, purée. Guide Animal Crossing. Putain, c'est un bout de bois que j'ai mis sur mon bureau ou quoi, là? J'ai l'impression que c'est un bout de bois que j'ai jeté dessus.
C'est où les plans de craft déjà? C'est là-dedans? J'ai la musique du défi 30 jours dans la tête, c'est horrible, j'ai envie de vous la chanter, mais si je vous la chante, je vous la spoil. Mais par pitié, c'est quelle page? Salut Axel, comment ça va? C'est les miles? Mais... guide. Sommaire. Les plans de bricolage 243. Ah ouais? Ah, voilà. Alors, on va regarder Simfou. Armure samouraï, on a dit. Armure samouraï, on a dit quoi? C'était qui déjà? C'était un sportif. Attendez, il y a des trucs que je ne comprends pas là. Putain, je savais pas. Pour avoir le plan de l'armure de samouraï, il faut que vous ayez déjà eu 100 plans de craft. Ça, je savais pas. Salut Dodo! Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Salut Rella, comment tu vas aussi? Merci pour ton follow. Ok, donc ça, l'habitant, on l'a. Après, assiette de cookies, ça c'était de la bouffe. Assiette décorative. Pourquoi elle est pas dedans? Parce que c'est du mobilier, je pense que ça doit être dans les petits plans de craft, donc faut qu'on trouve. C'est dans divers. Assiette décorative, c'est résident versatile. Ça, ok, faut qu'on fasse venir Boubou ou un autre résident. Boîte à musique en bois. Arrogante. Bon, va falloir qu'on change tous nos habitants. Bon, écoutez, venez, on fait en sorte qu'on ait un habitant de chaque, au pire, on se fait pas chier. Foufou les gars en versatile. Est-ce qu'on réunit pas le trio Boum Boum Foufou Zinzin par pitié? Foufou il est versatile, je savais pas. Excusez-moi mais je suis désolée Nanouche mais ce sera pas Boubou là, c'est Foufou qu'on va prendre en fait. Excusez-moi, il faut qu'on les réunisse, c'est pas possible autrement. Il faut qu'on les réunisse en fait, c'est pas possible autrement là. Je suis vraiment navrée, mais... Regardez. Il est là. Allez. On va faire venir Foufou. Et en arrogante, il faut qui, là? Arrogante, il y en a plein. Oh, il y a Azalée, my god. C'est pour le trio, mais le départ de Pachi ne sera jamais pardonné. Arrêtez, on le fera revenir, c'est bon. Pourquoi Achille? Vas-y, viens, Foufou, s'il te plaît. Ah merde, il y a Colette avec. Ou Zoé? Zoé, elle est quoi? Oh, c'est pas Zoé, c'est Cléo. Oh, y a Lid. Ah, oh, y a Laura, ma phobe sur Terre.
Ok. Trop mignon, je l'adore. Dommage que c'est pas écrit dessus, c'est quoi leur caractère? Merci Caroline pour le follow. Salut Margot, ça va bien et toi? Comment tu vas? Bonjour à ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Oh lui par contre les sourcils, c'est les sourcils de Robusto ça, qu'il a sur la tête. Un gong oriental. Oh la gueule qu'il a, je l'aime trop. Sourcils de Rock Lee, un peu. C'est l'heure du goûter en fait. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un gong? Moi je dirais bois dur et fer. Mais je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance. C'est ça le gong oriental? Non, pas du tout. C'est bien ce que je pense. Au cas où j'ai vérifié, mais... Ah, bois et fer. J'étais pas loin. C'est l'heure du goûter, en fait. Ah, bon courage pour le tri. Go tout mettre sur Vinted. Go se refaire des sous sur des sous qu'on a déjà dépensés. Ça va bien et toi, Vic? Comment tu vas? Donc bois et fer. Vous allez avoir peur un peu. Mais n'ayez pas peur. Regardez le nombre de plans que j'ai en double. C'est affolant. C'est affolant. Salut Choumouf, comment ça va? Allez, ça part. Je vais les donner à mes autres îles. Dès que je commence une nouvelle partie, je me donne des plans. Salut Luciole, salut Anaïs, salut Léa, salut Thelma, salut Axoul, salut Soso. Merci pour vos follow et merci beaucoup pour tous les likes sur TikTok. Merci, on est déjà à 6000, c'est un peu énorme. Merci beaucoup. Ah la gueule! Excusez-moi, mais c'est très très drôle. C'est très très drôle. Les yeux qu'il avait là. Et pourquoi il a l'air étonné comme ça? Ouais, de fou, Nanouche. C'est clair. Museau de lapin. Mais est-ce qu'on me donne ça même? Merci Jeanne, merci Rafa, merci Lélé pour le follow. Merci Foufou, ça me fait plaisir. On aurait dit un métamorphe. Il est comme ça. Un peu. Les yeux. Bon, je vais me prendre un goûter. Je vais faire pipi aussi. Je vous mets la pause. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Physique. Je sais que je suis fantastique. On
la. C-O-A-E-N, c'est ça mon pseudo. J'suis pas une bonne de l'amour. Alors prononce mon nom, pas besoin que je te le dise en écho. Ah putain, y'avait des Snoop Croc dans le... Vous avez mis des Snoop Croc. Vous êtes drôle. Bon allez, foufou, jour 2. En arrogante, faut que je re-regarde, y'a qui... Pour savoir qui je prends... Mais en fait, ils mettent pas les photos, ils mettent que les noms, mais c'est chiant. C'est chiant. C'est les faux Snoop Croc, mais c'est pas grave, on comprend que c'est pour faire les Snoop Croc. T'inquiète. Mais pourquoi y'a pas leurs photos, en fait? Ils sont chiants, hein. Cachou, elle a arrogante. Mais Cachou, elle est pas trop dans le thème, en vrai. En vrai, à la Zalée, elle passerait... J'arrive pas à ouvrir le gâteau, là, la madeleine. Faut me nuire ou quoi? Bah parce que c'est toute sa famille, Rose, c'est tout. Y a pas d'explication, c'est, ils sont là, point. Je sais pas, vous savez que c'est quand même pas moi qui ai développé Animal Crossing New Horizon et le DLC, hein. Je travaille pas chez Nintendo. Vous le savez. Gloria, bah bien sûr, toi toujours plus. Monique, bah merci, c'est gentil. Personnalité, mais ça va me renvoyer sur le wiki, c'est chiant. Gwen, j'aimerais bien avoir Gwen. Aussi. Gwen plus que Frigga, moi, j'avoue. J'aime prendre Gwen, je pense. Foufou, on va prendre Gwen après. Frigga, elle est belle, mais... Mais voilà. Mallory aussi, que j'aime beaucoup. Mais bon, on va déjà faire Foufou, attendez. On va dire notre pote, Linux en sus, en susu. T'inquiète. Vous vous rendez compte, j'ai dépensé plus de 100 000... plus de 100 000 miles dans le bateau d'amiral, là, les derniers jours. Bah, la main, Rafiti. Cachemire aussi, elle est mimi, j'avoue. Salut Yasmine, comment ça va? Heureux Tao. Ça va, merci, j'espère que toi aussi. Foufou à l'appareil, c'est pourquoi. Mais du coup, je pense que je vais prendre Gwen. Oh. Merci Poupi. Merci beaucoup pour le Prime, c'est trop gentil. Merci d'avoir pensé à moi pour le Prime. Trop gentil, merci beaucoup. Cachemire, elle a à vomir, arrêtez, elle est pas moche. Elle est mignonne, vous mentez. Oh, ça va, je trouve, elle est mimi. Ah, trop bien, Nico. La flûte de pan, je crois que je l'ai, non? Je crois que je l'ai, la flûte de pan. Ah, prends-les, les plans, Nico. T'inquiète, je vais me les faire.
Qu'est-ce que tu veux, Foufou? Une grille de prison? Ah, c'est sympa, ça. Pour bien décorer son île? Bah, pareil que quand t'as pas le online ou que quand t'as le online. Le online, il vous permet pas de décorer mieux votre île, hein. Le online, le seul truc qui vous fait, c'est potentiellement avoir... avoir des meubles facilement, mais tu les as avec le DLC, si t'as le DLC. Donc c'est pas... je veux voir pour la grille de prison. Est-ce que je peux la faire? Oui. Bizarre ça demande à Foufou. T'es pas obligé d'avoir des motifs pour faire une très belle île, hein? Tu peux les faire toi-même, c'est chiant, mais... Tu peux très bien avoir une île avec du motif de remodile et qu'elle soit très belle aussi, hein. C'est sûr que maintenant, ça va plus être considéré comme joli de faire une île avec des motifs, ça c'est sûr. Mais pour autant, tu peux en faire une belle sans avoir besoin de motifs. Enfin, en fait, je sais pas quoi répondre à la question là, en soi. Comment on fait pour avoir une belle île sans online? Bah, comme ceux qui ont le online, quoi. C'est la même chose. N'oubliez pas, ça c'est d'ailleurs, faut que je leur dise encore une fois, ce n'est pas une excuse. J'ai pas le online, n'est pas une excuse pour ne pas avoir de motif. Vous avez la semaine gratuite du online, profitez-en, récupérez tous les trucs que vous n'avez pas du mode online. Donc, tester de faire les visites oniriques, les visites de chez d'autres personnes, les motifs, récupérez tous les motifs que vous pouvez. Vous avez accès à tout sans avoir à payer le online grâce à la semaine gratuite de online. Donc vous pouvez pas dire que vous pouvez pas faire les mêmes îles, parce que si vous avez cette semaine, c'est bon, vous pouvez avoir les mêmes motifs, etc. Donc ce n'est pas une excuse. Je ne suis pas d'accord. Bois de l'eau, goûte. Merci Vic. Le seul truc qui est chiant, c'est que si tu l'as déjà utilisé et que t'as pas récupéré des motifs, et ben là t'es dans la merde. Là tu dois te démerder à les faire, ou t'achètes le online, ça coûte 3€ le mois, ça va. Bah ça dépend ce que tu veux faire Yasmine. Si tu mets toutes tes maisons et mes endroits, tu peux faire un quartier résidentiel ou je sais pas, tu vois, ça dépend. Chaque île est différente. En fait, je peux pas juger tant que j'ai pas vu l'île et... Enfin, y a pas de truc qui est bien et de truc qui est pas bien. Ça dépend de comment tu le fais, en fait. C'est tellement libre qu'il n'y a pas de truc bien et mal. Il n'y a pas d'habitants bien et d'habitants pas bien, ça dépend des goûts de chacun. Il n'y a pas de meubles qui sont bien et des meubles qui sont pas bien. Encore une fois, ça dépend des goûts de chacun. C'est pas possible pour moi de vous aider si j'ai rien sous les yeux, tu vois. Ça dépend de vos goûts. Si moi je trouve un meuble super beau, ou à tout moment vous allez le trouver super moche. Si je trouve un motif super beau, vous allez le trouver super moche, tu vois. Ça dépend. Ça dépend des gens. Vas-y, coupe lui l'arbre dessus, Morgane. Allez, ouf. Mais oui, tu peux normalement. Chill, pardon. Je crois que tu peux. Merci pour le à boire en tout cas, Vic. Franchement, moi, je lui aurais coupé dessus, là. Aucune peine. Aucune peine. Ah, purée, je me suis griffée. Bon, allez, Foufou, là, une petite dernière fois, et tu vas venir t'installer. Et comme ça, on va faire partir qui? On fait partir... On fait partir qui, tiens? On fait partir Zinzin? Non. On fait partir qui? On fait partir Philibert? Non. Oups, je voulais pas faire ça. On fait partir qui? On fait partir Rena? Non. On fait partir qui? On fait partir Joseph? Oh non, pas Joseph. Oh purée, je sais pas du tout qui faire partir. Purée, je sais pas qui faire partir, c'est trop bizarre. Marine? Je sais pas. Je sais pas, Marine, elle est gentille et tout. Je sais pas trop. Je sais pas qui on fait partir. Boum boum? Bah non, il vient d'arriver, on va pas le faire partir quand même. Non, on va pas les faire partir, je pense. Ils sont un peu sympas. Je sais pas, on va faire partir qui? J'hésite un peu. T'as pas ton t-shirt Pikmi, c'est dommage. Ah, c'était hier que j'étais Pikmi, désolée.
Aujourd'hui, je suis pas pick me. Désolée. Merde, je voulais pas faire ça. Je sais pas, il y a des habitants qui méritent plus de partir que d'autres, mais je sais pas trop. On va voir tous les quatre. Au moment, Foufou, il nous demande un truc que j'ai pas, donc comment vous dire. C'est bizarre, toutes ces histoires, un peu. Poussez-vous, les garçons, à la place de vous dire bonjour. Allez, Foufou. Vous êtes tellement horrible avec Caro, genre. Pourquoi est-ce que vous la détestez à ce point-là? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle a tué vos parents? Elle a mangé votre chien? Qu'est-ce qu'elle a fait, genre? Par pitié. Poussez-vous, les garçons. Oh, la musique. Bon, une corde à linge, j'y veux. Il est chiant, celui-là. Elle a piqué ma brioche. Ok, ça vaut l'expulsion, Rafiti. Pourquoi faire, Tao? Elle sert juste à bug. Vous êtes trop méchant. Vous êtes horrible. Je vous dirai pas, je la ferai venir en scred. Non, je vais la garder pour vous faire chier. C'est où la corde à linge, là? Bah merde, j'ai loupé ou quoi? Bah elle est là, je suis vraiment nulle. Il faut 10 bâtons. 10 brindis. Coucou Yannou, comment tu vas? Elle t'a volé du chocolat 2 fois. Et si c'est pas un motif de rupture amicale? Bah franchement non, parce que moi je lui avais volé des affaires aussi. Tu comprends? J'ai des bâtons au moins. Ouais, j'en ai quand même. Touchez votre nez, sœur, touche nez. Et pourquoi faire un sondage, Tao? Pourquoi vous voulez faire un sondage? Balles. Bande de menteurs. Ouais, ça va bien, Yannou, merci. Ça va. Tu arrives dans un chat de hater. Anti-Caro. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin du sondage, Tao? C'est ça ma question. Est-ce que c'était pas déjà assez évident au vu des messages mis dans le chat? Et merci beaucoup Stéphie pour le cadeau. Est-ce que c'est pas déjà assez évident? Franchement, je me pose la question. Salut Kazo, comment ça va? Arrêtez, elle est trop gentille Caro. Mais oui, elle est gentille, elle est trop mignonne et tout. Vous êtes comme ça, vous. Non. Wink wink. C'est un carreau de carrelage de toute façon, elle me l'a dit. Ah ouais, et puis on peut le marcher dessus du coup. Bon, la prédic est là depuis 50 ans. Attendez, je l'annule. On la relancera. Je pense qu'on va faire partir genre Zinzin. Ou Marine. Ou Joseph, en vrai. Ah, ou peut-être Robert. Ah, ou Clara, franchement. Trop de suspense. Vous êtes vraiment les pires. Je vous déteste. Je me sens obligée de la faire partir parce que vous avez tous dit Caro dans le chat, alors que moi, je voulais la garder. Je vous hais. Sachez-le, je vous déteste. Moi, je la referai revenir, je l'aime bien. Vous êtes horrible. Je me sens tellement oppressée au point où je suis obligée de la faire partir. Vous êtes trop méchant. Vous êtes trop vilain. Ça se fait trop pas. Bref. 3 petits points. Ce qu'il
font pas faire, les gens d'internet, franchement. C'est une honte, franchement, c'est une honte. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Elle est dans quelle série, la Gwen ? Laurie, elle est vive. Pourquoi je me fais chier ? Redemande à Google. Google, ils savent. Ah. Amiibo Gwen. 125. Ah ben, je l'ai passé. Je l'ai même pas vu. Ah oui, elle est là. Je suis vraiment aveugle, purée. On se venge pour Pachi. Mais Pachi, moi aussi, je l'aime bien. Pff, je la fais revenir dans votre dos. Je l'adore, Caro. Tu me l'as payé les mots, Rafiti ? J'ai plus de place en statique, il me faut une animée. C'est quoi, c'est 35 euros l'animée, tu me la payes ? Je veux bien. Peut-être 50, en fonction de comment c'est animé. Bah en vrai, j'aurais fait partir Marine, là. Je pense. Dans tous les cas, on a Gwen à faire venir, donc... Après, on a qui ? Est-ce qu'on a un chic ? On a un chic ? Blair. La vie de moi, jamais de ma vie entière. Polito. Non là écoutez, je pense qu'il y a vraiment volonté de nuire. Quand je vois des personnages du style Polito ou Blair dans la liste. Il y a John en chic que j'aime bien, mais c'est que des mecs, ça fait chier. Ils sont horribles, les chics. Il y a Mathéo, mais je vais pas prendre Mathéo. Après, je prends qui ? Pachi. Saoulé. Salut Paolo, comment ça va ? Mokhtar, il passe. Mokhtar, il est un peu mimes, ouais, en vrai. T'as raison. Régis, ma phobie sur Terre, je le hais. Il est trop moche. Il est horrible, Régis. Je comprends pas les gens qui disent qu'il est beau. Je le trouve vraiment moche. Genre, il a rien de beau, quoi. Il fait super peur, il est là avec ses yeux, là, t'as l'impression qu'il va venir bouffer ton âme. Je le déteste, genre vraiment je comprends pas les gens qui disent qu'il est beau, pour de vrai, premier degré, je ne comprends pas. Il est horrible Régis, je suis désolée de vous le dire, mais il est horrible. Je comprends vraiment premier degré pas les gens qui le trouvent beau, il est trop moche Régis. Moi je te le dis franchement, prends Lionel le plus beau. Vous êtes... Ah, jamais de la vie, Terra, elle me dégoûte. Eustache ou Edouard, franchement, un très bon choix entre les deux. Gérard, je trouve trop flippant. Gérard, ça va en vrai. Ça va, ça va. En vrai, on va prendre Mokhtar, je pense. Moi, je l'aime bien Mokhtar, je l'avais sur Wild World. Il est mignon, je trouve. Henri est cute. Non. Ah, si, c'est lui! Ah, ouais, si, je vais prendre Henri. Je vais prendre Henri en fait. Je pensais que Henri c'était l'autre là. Prince. Ah non. Ok, on va venir, on prend Henri, je l'aime bien. Ce sera le mec de. De Reyna. Allez. On fait ça. Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Elle est trop belle, je suis désolée, mais Gwen, regardez comme elle est élégante. Elle est trop belle.
un panneau. J'ai pas le craft. J'ai pas le craft. Elle me donne un plan de craft dont j'ai besoin. Si c'est pas une déclaration d'amour, ça. Aïe. Ça, je sais pas ce que c'est d'autre, mais... Panneau en bois M, je ne l'ai pas. Et il me le fallait. Et donc ça, c'est vraiment perfect. C'est trop la veste. C'est, vous savez, c'est les grands panneaux de bois... C'est les grands panneaux de bois là, avec les rayures, là. C'est ça. Bah, il y a ma gueule devant. C'est ça. Et il me faut que du bois et j'ai de quoi faire. C'est parfait, on va le faire. Gwen et qui, Tao? Le teint vert de Aaron. Mais Aaron, il me dégoûte. On dirait un mec qui fait de la corrida. C'est un peu useless. Bah non, dans la maison, c'est trop bien. Il y a l'étagère, sol, plafond. Ah non, moi j'aime bien, ça fait des séparations. Ce meuble, je le trouve cool, moi. Je l'utilise pas parce que j'ai pas le craft et j'ai pas le S non plus parce que j'ai pas d'arrogante. Maman Océane, c'est... C'est un craft, donc tu peux pas le commander depuis le DLC. Faut une grande sœur aussi. Oh putain. Attendez, déjà, Gwen. On finit Gwen, après on fera Henri. Et après, je choisirai une grande sœur. Putain, une grande sœur. Bah oui, je peux pas avoir tous les plans si j'ai pas tout le monde. Purée, c'est vrai. J'ai pas de grande sœur, hein, chez moi, là, actuellement. J'ai Rena en normal, Clara en vive. J'ai du paresseux. Bibi, elle est normale, Gabi. Elle est pas du tout grande sœur. Je préfère... Aurore, elle est plus neutre, on va dire. Gwen, elle fait plus élégante, en vrai. Je trouve. Il y a Koulala en grande sœur. Trois petits points. Colette. Mais Colette, elle irait pas trop. En fait, là, les habitants, ils sont censés aller dans mon thème, hein. Kit corps pastel. Censés aller dans mon thème. On va prendre Clarabelle. Bah, franchement, ouais. Gertrude, t'inquiète. Non, mais vraiment, je pense qu'on peut faire sans elle, hein. Je pense. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vraiment, je pense qu'on s'en passe un peu. Azalée, non, non, Azalée, elle est arrogante. Vous voulez la prendre à la place de Gwen, mais Gwen, je l'ai tellement jamais prise que je me suis dit, allez, on prend Gwen. Je l'ai jamais... Oh putain, je l'ai jamais prise. Je sais pas parler. C'est si terrible que ça. Ah bah super, la maison, faut qu'on remette les motifs. C'est un peu caca, là. C'est un peu caca, en fait. Rosa, non, non. Rosa, non. Elle est trop fluo, en vrai. Vanessa, Matsy... Ursula, Ursula, je l'aime bien. Mais attendez, je regarde après. Faut que je les ai toutes sur les yeux pour pouvoir donner un avis et choisir laquelle je prends. Bienvenue, Foufou! Wouhou! Faudra qu'on refasse leur maison. Quand même. Il y a Foufou. Ma femme, quand elle va revenir, elle va être là en mode « Oh my god, ma femme, t'as Foufou !» Je vais dire « Oui, ma femme, j'ai Foufou !» Elle sera contente que j'ai Foufou. Et du coup, là, on a le gang des Foufou... Boum boum, Foufou zinzin, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ah, je l'aime pas trop, Pansy, j'avoue. Je l'aime pas trop. Mais arrêtez de donner des noms, on va regarder. Enfin, je regarderai après. Vous embêtez pas, vous êtes gentil, merci, mais... Vous embêtez pas. Pourquoi il est pas paresseux, Foufou? Je sais pas, je l'aurais tellement mis en paresseux. Et je pensais qu'il était paresseux, Achille, aussi, honnêtement. Je découvre qu'il est versatile, là. Je l'aurais jamais mis en versatile, personnellement. C'est la surprise, fou. Saint-Saint. Allô? Allez, Gwen. Ça fait deux, du coup, il en faudra encore une troisième. Bon goût, Terrafiti. Salut, Neroma, comment ça va?
devrait trop être paresseux. J'avoue, Reynald. En même temps, tous les pingouins mâles, ils sont paresseux presque aussi, sinon... Ils ont bien dû trouver quelqu'un d'autre. Ah, oh, c'était beau la chanson que tu chantais, Kéké, là. Les habits sous la pluie, là, ils doivent trop moisir. Salut le chien tout nu. Le chien tout nu. Drôle. Vous êtes drôle. Elle mange un petit donut. Par contre, la couleur de son sac de couchage, j'aurais pas dit. Un banc de parc. Bois et fer. J'aimerais Gwen. Bah, je l'aime déjà, Gwen. Je l'adore, elle est trop belle. Elle est trop belle. La même tenue que Marine. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. T'en as craint beaucoup, non? Ouais. T'as raison, on va regarder ça. C'est plus rapide. J'ai pas pensé dessus. Merci bien. Un banc de parc, il faut. Merci d'avoir pensé pour moi. Et d'avoir un cerveau pour moi. Merci de vivre pour moi, finalement. Et moche ? Ah non, ils sont trop mimes. Bon, après, il y a Victor. Victor, il est dégueulasse, quoi, mais... Banc de parc. Ma chérie m'appelle. Ma petite louloute en sucre. Trop mignonne, celle-là. Salut, Victoria. Et Emilien. Emilien, il est pas foufou, ouais. Bah, il y a Victor, Emilien... Après, il y a... Comment il s'appelle, le pingouin tout rose, là, que personne n'aime, alors qu'il est un peu mimi? Comment il s'appelle, déjà? Purée, j'ai un énorme trou. Hervé, merci, RL. Hervé, il est trop mime, je trouve. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, alors qu'il est trop mignon, Hervé. Purée, c'est laquelle, la page de Laurie? Elle est là. Une dernière fois, et puis normalement, elle est censée venir, je crois. Bois de l'eau, gouttelette. Parce que j'avais besoin de place, Tao. Arrêtez de revenir sur le truc de Pachy, par pitié. Vous me fatiguez avec ça, premier degré. Et merci, Jus, pour le à boire. Merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas, la chaîne est entrée en sponsor avec Oli. Vous avez tout ce qui est... détail, enfin toute la commande Oli qui détaille un petit peu la sponsor. Vous avez 10% de réduction sur votre première commande avec le code COAN et 5€ sur les commandes suivantes. Alors n'hésitez pas à utiliser. Ça me soutient et ça me permettrait de, si ça se passe bien les 3 premiers mois, d'avoir un revenu fixe tous les mois dans 3 mois. Donc ça, ce serait vraiment comme ça, vraiment top top top. Parce que là, pour l'instant, je ne suis pas payée. Je suis payée à la commission. Voilà, donc je ne suis pas payée pour faire leur pub actuellement. Voilà, sympathique. Hervé, je suis pas trop fan, mais je dois dire qu'en vrai, il est pas... Non, il est pas horrible. Ouais, je suis d'accord, Laïa. Je suis d'accord. C'est ce que je fais, là, Joanie. Urbain, il est pas beau, mais il est pas moche de fou non plus, je trouve. Ça va, en vrai. Il y a des habitants, je trouve que ça va, tu vois. Ils sont pas si pires que ça. Ils sont pas si moches. Ouais, il est un peu mimi, en vrai. Foufou qui se balade devant la mairie, là, devant le panneau. Il est moche, pas trop moche. Ouais, c'est un peu ça. Moche, pas trop moche. Ça leur va bien. Mais Miglou, excusez-moi, Miglou, c'est le plus mignon des... Non, en vrai, c'est... Moi, je mettrais Zinzin top 1, Miglou top 2, Cube top 3. Et après, Gwen, Aurore, Laurie. En pingouin. Mais top 1, Zinzin, par pitié, il est tellement mignon. Cornu, il est adorable aussi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien vrai.
Ça, c'est bien vrai. Henri, il doit être dans la première série. Vas-y, Gwen. Viens. Henri, sa carte est là. Il est avec Lazare. Reynald aussi, ouais, j'avoue Reynald, j'avoue Reynald. Ah ouais, Nanouche. Quand même zinzin, les gars. Zinzin. Salut mon gougou, comment ça va? Tu live pas finalement? J'étais là à attendre que tu lances ton live en lurk, alors que t'as pas lancé. Gougou gaga, finalement. Alors, allons voir la Gwen. Joseph, il est trop mimes. Pamela sous-côté, mais grave. J'ai dormi comme... Oh non! Bah alors, on dort, en fait. Espèce de dormeur que t'es, va. T'as raison, en vrai. Tu t'es couché tard. Je me prépare pour septembre. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Moi, je te propose, d'ailleurs, demain, on tourne le teaser, lundi. C'était là, là. Demain, oui, t'es là, de toute façon. Je propose que demain, on tourne le teaser. Allez, on part sur ça. Allez, Gwen. Je suis là. Parfait, alors. On peut se faire ça demain. Lampe palmier. Je te fabrique ça. Je crois que j'en ai. Quelle beauté. Elle est trop belle. Hi, Queen. Bah Tessie, elle est gentille, elle me dit j'ai pas le son, pourquoi tu invites Gwen? Comment je lui réponds maintenant? Allez, je crois que j'en ai un des palmiers. Faut dormir. Est-ce que j'en ai pour de vrai ou je les ai vendus? Non, je crois que j'en ai un ou deux. Je suis plus sûre d'un coup. C'est lampe palmier, je crois. J'en ai pas un. Qu'est-ce qu'il faut pour crafter? Je ne sais pas. Là-dedans. Elle est dans quoi la lampe palmier? Elle est là. Notre coco bois argile. Logique. Prendre. Coco bois argile. J'ai deux notes coco? J'ai deux notes coco ou pas? Bois, argile. Et fer, mais fer j'en ai. Non, le bois j'en avais assez, je crois. De quoi tu me parles, Achille? Ah oui, ouais. Sur ton LP. Ok, concentration. On va la faire partir, enfin placer à la place de Marine. Putain, Henri, on le met à la place de qui? Faut tout changer les habitants, mais j'aimerais bien les garder. Je sais pas qui. On va voir, on va voir. C'est vraiment trop bien, mais ouais, ça rend bien hein, les cupcakes d'anniversaire là. Oh non, j'ai jamais fait attention à ces panards. Vous avez vu ses pieds? Regardez ses pieds, comme ils sont trop mimes, attendez. J'ai dit regardez ses pieds, on va payer tous ses pieds. Regardez ses pieds. C'est drôle. Ils sont mignons. Les pieds. Allez, viens ici. On dirait un peu des... Des moufles, mais de pieds, quoi. Salut Roxane, comment ça va? Oh
Les moufles de pied. Coucou Lune, t'avais dit que tu voulais faire partir cube. Je crois qu'on l'a fait partir cube. Déjà, non? Only pied Gwen. Vous êtes horrible. Ah mais si, cube, il est là. Vas-y Marine pour Gwen. Et après on fera partir cube. Je suis trop triste parce que il en restera encore un, il faut une grande sœur après. Comment vous dire? J'adore quand les habitants là ils arrivent. De toute façon on avait l'intention de quitter l'île. Alors que t'es trop pote avec, genre c'est horrible, je trouve ça trop triste. De toute façon on avait l'intention de quitter l'île, je trouve ça vraiment horrible, mais genre trop. Ça me fait mal au cœur franchement quand ils disent ça. Ça me fait mal au cœur. Oui, Achille, je les ferai revenir. Après, ça fait pas de mal non plus de changer un peu d'habitant. Je pense que je vais être quand même contente de les avoir. Genre, Henri, c'est un habitant que j'ai jamais, mais qui est vraiment mimi. Est-ce que j'ai tété ou pas? Vous m'avez vu Time Travel ou pas? J'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. J'ai l'impression que non. Oui, t'as tété? Non, non. T'as pas tété? Oui. Vous êtes deux oui, deux non. Comment je suis censée me rappeler? Bah si, je crois. Bon, au pire, on va voir avec Marie. Si on n'a pas, on relance. Merci pour le à boire. Je suis persuadée que t'as pas tété. Tu as tété. C'est compliqué, ces histoires-là. J'ai le doute alors que non. Je suis sûre à 100% que t'as tété. On va voir. S'il y a Marie, c'est qu'on a tété. Sinon, c'est qu'on n'a pas tété. C'est fou d'être autant mitigé dans le chat. D'habitude, vous êtes grave unanime, mais là... Pour moi, t'as pas tété. J'ai l'impression que c'est vachement long. Si t'as tété. Si j'ai tété, c'est bon. Vous me faites des frayeurs. C'est fou, hein? Merci en tout cas. C'est fou qu'on soit pas d'accord et que personne ne soit d'accord. Mais c'est trop rapide aussi. Bah ouais, mais je suis rapide moi. Bon, c'est pas grave, merci beaucoup. Trop rapide pour nos yeux. Bah ouais, je suis désolé les gars. Allez, c'est au tour de Henri. C'est au tour de Henri. Allez, Henri, il est mimi, vous allez voir si vous le connaissez pas trop. Je vais vous montrer sa gouille. Merde. Bah sinon il y a 4 hein, en habitant grande sœur. Krakos il est beau aussi, c'est vrai hein, il est... Il est comme ça, il est... Bah vas-y les Joy-Con. En vrai je pense que je vais me laisser tenter par Ursula. Après. Je vais prendre Ursula après, je l'ai jamais prise. Elle est vachement mimi, je trouve, Ursula. Je la trouve très mignonne. Henri, c'est mon crush, je pense. C'est vrai? Les mimes, c'est en vrai. On invite tous les habitants. Je change mes habitants, Roxane. En gros, je vous remets dans le contexte. Actuellement, je suis à la recherche de plans, d'où le titre. Il m'en manque 40. Mais il m'en manque 39 maintenant. Dans ces plans-là, en fait, que je dois avoir et débloquer, je ne peux pas les débloquer parce qu'en fait, il me faut certains types d'habitants. Tous les habitants, toutes les personnalités d'habitants ne te donnent pas les mêmes crafts. Or, je n'ai que 3 ou 4... Non, que 3... Je n'avais que 3 personnalités sur mon île, sur les 10 habitants que j'avais.
des paresseux, vives et normales. C'est tout. Donc en fait, là, il me manque tout le reste des personnalités et il faut... Alors, étagère ouverte en bois. Et il faut du coup que j'ai... les autres types d'habitants pour pouvoir avoir des plantes craft qui me manquent. Parce que du coup, je pourrais jamais finir si je n'ai pas ces habitants-là. C'est quoi étagère ouverte en bois ? Je pense qu'il me faut juste du bois. C'est ça ? Bah non. Étagère cube. Ah, ok. Mais j'ai pas ce plan. Tout en haut, vous l'avez vu? Je l'ai pas vu. Dans le bois? Bah ouais, mais j'ai pas fait attention dans le bois, je l'ai pas vu. Là-dedans? Non. Au-dessus? Ah oui, là. Donc il me faut 10 de bois. Merci. Prendre. Faudrait que je fasse ça, Marine, ouais. Faudrait que je fasse ça, en vrai. Quel enfer, ce plan de craft. J'aurais dû la mettre en fave. C'est quel type pour la biblio? Je crois que c'est les... Attends, faut que je regarde. Je vais te dire. Merci Anaï pour le follow. Résident paresseux, ouais. C'est les paresseux. Salut Luciole, comment ça va? Ok. T'inquiète, j'ai le guide me dit... me le dit. C'est paresseux, je me doutais que c'était un des habitants que j'avais sur mon île parce qu'on a re-eu le plan plusieurs fois déjà. Mais ça faisait un moment que j'avais pas revu. Tiens Henri. Henri. Ok. Pardon. Bois de l'eau, gouttelette. Merci Chachouka. Le type de route qui fait 50 cases comme ça. Bah franchement oui maintenant. Allez. Henri. Mais... Hop. J'aimerais bien que ça accélère un peu là. Par contre c'est un peu longué. Ce sont vraiment pas les bonnes couleurs, hein. Purée, c'est terrible, c'est terrible. Merci Milo pour le follow. La pile, le seul type que j'ai pas. En plus, j'avais Abraham avant. Ah ben ça, j'ai dégagé Sniff. Allez, let's go, Laya. Va falloir aller en trouver un. C'est long, gay. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de gay, donc... un petit point. C'est long, les chargements. Pouh. C'est d'un insupportable. C'est si chiant. Bonjour, c'est Carrie, j'espère que vous allez bien. Je pense que mon casque ne doit pas s'activer pour les tout petits bruits. Il y a certains bruits qui ne s'activent pas, genre j'ai pas le son. C'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi. Ah.
Abraham ou rien. T'es déter, hein. T'es déter. J'aurais la flemme, franchement. Tu. Ta 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 ta. Allez. Ah, hop. Merci Tika pour le follow. Mais t'as à peine commencé Nico. Bah t'es trop belle. Le mec il enchaîne. Comment vous allez? Moi ça va plutôt bien, merci. Merci de demander, vous êtes Mimi. Oui, Chacha, c'est parce que t'es limité à un par heure, je crois. Ou deux, ou trois par stream, un truc comme ça. De toute façon, c'est pas le touche-pied. Le touche-pied, il était à 16h17. Donc oui, là, c'est évident que tu ne peux pas le mettre. Bim, 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 bim. Allez, on se bouge en fait, Henri. Dépêche-toi. Pourquoi il a des plis de paupières comme ça? On dirait qu'il a les yeux globuleux. C'est long. C'est super long. Pam, 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 pam. Merci Emma pour ton follow. C'est pas le touche-nez non plus, non. C'est pas non plus le touche-nez. Le touche-nez il est à 16h16 quoi. 17h17. Allez, courons, courons. Qu'est-ce qu'il va vouloir aujourd'hui? J'espère qu'il va me donner un plan que j'ai pas. À tout moment, il y a des habitants comme ça où j'ai déjà eu tout leur plan de craft sur certains habitants, mais au cas où, je veux quand même. Je veux quand même les avoir tous. Pustule, Lydie, il dégoûte en vrai. Merci Célia pour le follow. Merci beaucoup. Pustule. Un ukulélé. Je crois que j'en ai. Pupustule. Ah putain. Salut Julia, comment ça va? T'as une nouvelle méthode pour les plans? Non, non, toujours pas. Là, je récupère juste les types d'habitants que j'ai pas, parce que je peux pas avoir tous les plans si j'ai pas tous les types d'habitants. Prendre un ukulélé. Il est trop mignon, il est adorable en vrai. Je dois en avoir des ukulélés, je crois. Ouais, j'en ai un là. Ils volent mes objets. Merci pour vos follow. On fait toujours la même technique, c'est juste que là, faut que je fasse venir des habitants, parce que sinon, je pourrais pas les tous les avoir en fait. Parce que chaque catégorie, enfin chaque caractéristique, non, chaque personnalité d'habitant te donne des types de meubles différents. Et en fait, vu que j'en avais que 3 de base, bah en fait, ils pouvaient pas me donner les autres types d'objets quoi. Donc je suis obligée de faire venir d'autres types d'habitants, d'autres types de personnalités pour que ça passe. J'ai eu peur quand il y a eu juste le début du mot qui s'est affiché. C'est la deuxième ou troisième? C'est deuxième. Ok, il faut encore une fois. Bon lark, Lissy, merci beaucoup. Et bon lark, Miss Mocha. C'est pareil pour les mimiques, ouais, tout à fait. C'est la même chose pour les mimiques, d'ailleurs. Hop. On est reparti. C'est parti. Let's go. C'est parti, let's go! Allons-y, les amis! Nous allons les trouver, je sais qu'on peut y arriver! Je suis trop Dora l'exploratrice, moi, de toute façon. Bah, c'est juste un autre endroit à regarder, Laïa, c'est tout. Pam, 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 pam. Tu peux aller sur les îles mystères, Julia? Si jamais j'avais fait plein de vidéos chez Salhabitant où j'explique comment on fait sur ma chaîne YouTube. Hmm.
Ce serait bien que ça charge plus vite, c'est de plus en plus chiant à charger. Merci le jeu. Foufou, ses gros yeux là. Foufou, il a l'air tout le temps étonné en fait. Je pense que c'est ça qui est drôle avec lui. C'est qu'il est perpétuellement étonné. Ça, c'est très drôle, je trouve. Moi, ça me fait rire un peu. Justement, Julia, c'est ce que je te disais. Va voir mes vidéos chasse à l'habitant. Faut que t'aies une place, une parcelle de livres, etc. J'explique bien au début des vidéos, si jamais. C'est vraiment un boum boum foufou zinzin, mais dis bien, ouais. Grave ça. Pas de soucis. Et... pourquoi j'entends mon prénom? Bah parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle aussi Julia dans le chat. Je suis devenue folle. N'est-ce pas Julia à Carrulo? Tu sais Rulo, t'es pas la seule qui t'appelle Julia. Hein. Il y a d'autres personnes qui s'appellent Julia aussi. Hein. C'est un beau prénom, donc forcément il a été donné quoi. Oh putain, merde, on a une arrogante chanteuse. Oh merde. Une arrogante chanteuse. C'est un peu marrant. Un peu marrant. Je croyais qu'on m'appelait dans mon sommeil, je comprenais pas. Bah ouais, on t'appelle. Oh, les jujus, trop bien. Trop bien les jujus, j'avoue. Merde, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Vraiment. Qu'est-ce que tu racontes à Chil, ça va pas ou quoi? Il dit un fou que ça. Allez petit Mimi là, pustule toi-même en fait. Pensez que... J'imagine trop une discussion entre Henri et Bajou qui est pleine de pustules. Elle s'est assise devant elle pour l'écouter. Je me demande comment ils font pour plier leur bec, les pingouins. Parce que là, tu les vois faire des mouvements alors que c'est censé être tout dur, un bec. Ma chance de briller, ça qu'il a dit, j'ai pas lu, j'aurais dû lire, ça avait l'air drôle. Ça avait l'air drôle. Ça avait l'air drôle ce qu'il disait. Un lit en bois de fer, vas-y les chiens. Un lit en bois de fer. C'est fer plus bois, ça, de toute façon. Mais j'ai plus de bois, faut que je reprenne. Je sais plus, il avait dit un truc qui était un peu drôle. Il était un petit peu en mode humour là. C'était un peu marrant. Ah non, je crois que je dois avoir ce qu'il faut pour le faire. Lit en bois de fer. Ça, c'était vraiment la collection à avoir au début du jeu. Genre, le Joker, il m'a saoulé. Genre, vraiment, je sais pas si vous vous souvenez en 2020, mais c'était trop la collection qui montrait que, genre, t'avais trop bien compris le principe des crafts, etc. Ah, mais je sais pas, genre, c'était vraiment la collection à avoir. Tout le monde l'a tryhardé et tout. Fallait absolument avoir les plans et tout. La boîte de fer. C'était trop, pas à la mode, mais c'était vraiment la collection à avoir. Maintenant, plus personne l'utilise, hein. C'était la meilleure collection, c'était la plus belle, en fait. Tu pouvais grave personnaliser les meubles dans la couleur que tu voulais et tout. C'était trop cool. En même temps, elle est belle. J'avoue qu'elle est jolie. Ah, merci ta tenue de jockey. Je suis vraiment sympa, Henri. Enfin, je suis vraiment gentille. Contente. Mes mots sont pas du bon ressort de mots, là. Ça veut rien dire ce que je dis. Je suis fatiguée, je pense. Oh, punaise. Je suis perdue. T'avais ça, tu slayais. Franchement, de fou, hein. Mm-mm.
Bah oui, Louise, je suis en train de le faire venir. C'est quoi cette carte amiibo, Ursula? Bah allez, Cube, c'est ton tour. Désolée. Mais attendez, mais Ursula, elle vient avec quel... Ne me dites pas qu'elle vient qu'avec les caravanes. Chacha, il est pas moche, Cube. On se calme. Ne me dites pas qu'elle vient qu'avec les caravanes, Ursula. Je ne trouve pas sa carte amiibo si je trouve qu'une carte amiibo de caravane. Si, non, arrête. Je veux pas qu'on me troll là, je veux qu'on me dise la vraie réponse. Je crois que je peux pas la voir. Il me faut les cartes amiibo caravane. En fait, ils ont pas, et je les ai pas vues quand je les ai rangées. Les habitants là n'ont pas de cartes amiibo. Il faut les cartes amiibo caravane. C'est pour ça que je les avais jamais vues dans le jeu, en fait. C'est parce qu'ils existaient pas, en fait, quand j'y jouais. Genre Viviane, Grignotte, Agnès, Neige, Paolo, Cornio, Bigoudi, Jeff, Bajou, Mounia, Boris, Miglou, Kenga, Ketchup, Léo, Bebe, Ursula, Olympe, Poulette. Mais Poulette, elle existait déjà. Béa et tout, Ella, Bébert. Mais c'est pour ça que je les ai jamais vus de ma vie, en fait, quand je jouais sur la 3DS. Mais en fait, les cartes à caravane, c'est les cartes les plus rares. C'est les cartes les plus rares et quand tu les achètes, ça coûte genre 20 balles la carte, quoi. Voire même plus. Et il y en a... Il y en a 50. Donc... Quoi que ça va, c'est 9€ la carte, mais bon. Il y a quelqu'un qui vend toute la collection. Putain, c'est l'enfer. Bon, après, je peux les avoir, je pense, en fausses cartes. Si je commande des fausses cartes caravane, mais... Bon, bah on va devoir faire autrement. On va pas prendre Ursula. Tant pis, j'aurais bien aimé.
Putain, mais je suis dégue. On va prendre Colette. J'ai 5 cartes à Colette, je crois. Et Colette. J'ai même pas sa carte. Ah si, je l'ai. Mais elle va pas dans le thème. Tu peux la chercher en chasse sinon. Mais faut que je fasse partir quelqu'un. J'ai trop la flemme. Qui cherche Ursula par pitié? Personne? Bah sinon écoutez, je vais prendre Gertrude. Hein. Je rigole. Clarabelle, c'est laquelle déjà? C'est la jaune là? Ah non. Non, non. C'est qui ça? Ah, Wendy, elle me dégoûte. On prend qui? Vanessa? Allez, hein? Écoutez. Rila, ça va pas. 347. Ça nous fera un petit retour de Vanessa la Duchesse. Allez, allez, allez. Hop! Parce qu'il n'y a plus du tout de carte caravane à la vente en fait. Ah si. 11 euros le paquet quoi. Putain, c'est cher. Là, le paquet de 3 cartes Amiibo de série 5. Putain. Un peu cher. Hein. Un peu cher. 90 euros le lot de 10 paquets de la série 3. Abusé. Abusé, 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 abusé. Comment je peux regarder? Attendez, je suis un peu intriguée en fait parce que je réalise. J'aimerais bien savoir pourquoi ils les ont pas faites en même temps. Ça dépend qui, HL1. Parce qu'il y en a 50 à trouver, hein. 50, c'est globalement assez énorme, hein, en cartes Amiibo. C'était pas genre une dizaine, hein. C'est 50 cartes à trouver. Ça me déprime. Bah ouais, franchement.
200 euros de carte, bah à peu près. Mais je vous inquiétez pas, je vais les trouver en mini. Je vais les racheter en mini. C'est hors de question que je les ai pas en fait. C'est hors de question que je les ai pas. Les seules vraies cartes que je veux bien, c'est toute la série 5 en vraie carte. Parce que j'ai déjà une grosse partie de la série 5 en vraie carte. Mais sinon... Pfff. Je l'ai. Ça fait un peu cher, hein. Ok, bon, allons voir ce qu'elle veut, la Vanessa. Mais je pense qu'en vrai, il y a moyen que j'ai déjà tout, parce que j'ai eu Pamela pendant très longtemps. Mais au cas où, on va quand même aller la chercher. Vraiment au cas où. Hein. Voilà, au cas où. On va quand même aller la chercher. Juste au cas où. Salut Alizée, comment ça va? Vanessa, on dirait que tu dirais à quelqu'un, vas-y, va sniffer ça, là. La radio fait peur. La voix dans la radio, vous entendez ou pas? Comment elle est badante. Elle faisait trop badée. Qu'est-ce qu'elle me demande? J'ai même pas regardé. Haut-parleur coquillage. Je vais t'en faire un. Ils peuvent pas faire ça, genre passer la chaîne de radio et après mettre Bubblegum Kéké là, c'est pas possible. Non, c'est pas moi qui chuchotais, non. Le truc badant au possible, c'est si terrible, purée. C'est si terrible. Haut-parleur coquillage, je crois que j'en ai. Allez. Elle fait peur un peu, hein. Je suis pas à l'aise. Bon. Voilà. Pa. Regarde, j'ai fini. Pa 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 pa. Ma papa come away. Ça, on connaît. Quoi ça? Ah, batterie faible, ça y est. Combinaison de lutte. Est-ce qu'elle veut que je canne ou quoi? Attendez, je suis en train de regarder vite fait là sur AliExpress. À quel putain de moment? C'est bien ce que je me disais, il y avait un problème. 6, enfin 7 et 7, ça faisait 20. J'étais en train de chercher, mais non, c'est bon, j'ai trouvé le truc qui était en plus. Là, les cartes caravane en mini, j'en ai pour 13 euros. Ça va en vrai. On lui a donné, c'est bon. Allez Vanessa, you can do it. Pitiax, on a besoin de plans de craft en fait. Reviens ma belle. C'est long à faire venir les habitants, c'est pour ça que ça me saoule. Si je le fais jamais en amiibo, je préfère faire des chasses, je trouve ça plus fun que de faire juste ça. Ça me saoule. Griffouille, c'est un peu mignon, j'avoue.
Un peu mimes, faut bien l'avouer, faut bien le dire. Ok. Bon, allez, hop, je les prends, les cartes. Caravane, les 50 pour 13, ça va. Ça m'aura fait un budget d'amiibo, purée, hein. Excusez-moi, je suis en train de passer mes emplettes, là. Enfin, de faire mes emplettes. Normalement, j'ai à 7 pages encore, vu que j'en avais en trop. J'en ai 4, ok, ça fait... 20, il me faut 2 pages, ok, c'est bon, j'en ai encore 4, j'ai quoi faire. Je vais les glisser là-dedans. Voilà. Mais batterie faible, ça suffit, en fait. Fais son shopping. Bah, je fais mon shopping de cartes amiibo, quoi. Au calme, quoi, finalement, comme on dit. Mais je suis quand même vachement... intriguée en vrai par les cartes caravane. J'étais persuadée que les cartes de caravane c'était des cartes en plus qui étaient des personnages qui étaient déjà dans les cartes classiques. Alors que pas du tout. Ça veut dire que je me suis trompée tout ce temps. J'étais persuadée et finalement vraiment vraiment pas quoi. Donc je suis un peu étonnée on va dire. Je pensais pas. Faudrait que je fasse mes recherches sur ce point là. Ça m'intrigue un peu. Je suis un peu intriguée par les cartes amiibo. Bravo à lui! T'aurais dû acheter les vrais. Bah après moi quand c'est sorti j'étais mineure donc... mineure avec pas de revenus et pas d'argent de poche donc... comment vous dire? C'était pas moi qui allais les acheter quoi les cartes. Eh oui! Allez! Trop petit point. Allez, le Nook Shopping! Terminal multimédia. Je crois que j'ai jamais lu la phrase. Ce qui est bien, c'est qu'on recharge un peu les miles là. 300 par jour, c'est pas non plus trop mal. Il faudrait que je fasse ça tous les jours. Je pense qu'on peut grave farmer les miles avec uniquement ce truc de tous les jours là. Salut Gaga, comment ça va? La musique de l'amiibo, c'est vraiment une musique d'ascenseur. Ça, moi je savais pour le caravane, mais trop cool en vrai. Moi je savais pas du tout. Je l'apprends là. Et j'ai jamais entendu quelqu'un me faire la remarque en mode bah non, les. Enfin, faire la remarque en mode les cartes amiibo caravane, c'est des cartes amiibo en plus de personnages en plus. J'ai pas fait attention. Et du coup, les personnages là, ils sont arrivés en 2016. Du coup, ça veut dire les caravanes. C'était des personnages qui étaient pas inclus dans le jeu avant. Si je dis pas de conneries, ça a été inclus avec la mise à jour, c'est ça? Donc c'est bien pour ça que Miglou, etc., je les avais jamais vus et c'est devenu mon personnage préféré après seulement. Parce que je les connaissais pas du tout. En fait c'est ça le truc. C'est qu'ils étaient pas intégrés dans le jeu avant la mage. Touchez votre nez, c'est leur nez. Je pense qu'on avait... Enfin que c'était peut-être possible de les avoir en aléatoire, mais vu qu'une fois que tu faisais venir tes habitants, bah... Voilà. Tu les gardais en général. Elle veut une table en bois. Pourquoi je suis fatiguée? Ok, 15 de bois. Ils devraient trop avoir un établi de craft dans leur truc là, c'est chiant de sortir. C'est quoi, c'est Route 66, non? Au travail, la table en bois en fait. On crafte des tables en bois. Hop. Ok. Touche panard. Touchez bien vos panards finalement. On va lui donner pardon. Et c'est quoi? C'est la deuxième? Ouais, c'est la deuxième fois. Alors, faut qu'on refasse vite fait les trucs là. Habitant sportif, on a. L'habitant sportif qu'on a, c'est qui? Putain, c'est qui? C'est Boum Boum. L'habitant paresseux qu'on a.
Faut que je regarde, je sais plus, purée. Faut qu'on ait les 8 trucs. Marcel de Muscu, tu me dégoûtes, Vanessa, franchement. Alors, Rena, habitante normale, vive, arrogante, grande sœur Vanessa. Henri, c'est le chic. Foufou, c'est le versatile. Boum boum. Miglou. Ok. Donc là, après, j'ai 4 habitants paresseux encore. Et il nous manque. Il nous manque quoi? Bah, plus rien, c'est bon. On a tout, non? On a les 4 filles et les 4 garçons. Je suis désolée, mais là, Joseph, il va sauter. Hein. Ok, on a tout, on est d'accord. C'est Joseph qui va partir, je suis désolée. Je ne vois pas faire partir qui d'autre, sinon. Je l'aime beaucoup, hein, mais là... Bah oui, Caro, elle a sauté. Ils m'ont tous forcé à la dégager, donc j'ai pas eu le choix. Ils m'ont mis le couteau sous la gorge, le flingue sur la tempe, la corde au cou et le tabouret sous mes pieds en mode « Caro, Caro !» Du coup, j'avais pas trop le choix, là, sinon j'allais mourir. Un petit point. Nosu, forcé, jamais que nenni. Ah, excuse-moi, alors j'ai cru que je suis choquée. Quel enfer. Justice for Caro. Non, pas justice for Caro. Si, justice for Caro. Justice for Caro. Dis bien, Achille. La meuf qui pensait que t'allais à l'encontre, dans l'autre sens, tu sais. Ouais, ça va être Joseph hein, qui va sauter, là. Ça me fait de la peine, mais en vrai... On te l'a juste suggéré. Oui. Juste suggéré. T'inquiète. J'étais présente et je peux affirmer que c'est totalement faux qu'Owen a énoncé. Bon, allez, on tâche Caro, elle pue du cul. Alors ça, j'ai l'impression que tu t'essayes d'un peu de m'embrigader, là. Voilà. J'ai l'impression que t'essayes de dire des choses qui sont fausses, Shayma. Après, t'es malveillante, hein. C'est peut-être pour ça, hein. Elle est tellement malveillante que bon... Je t'embrigade pas, pas du tout. T'inquiète. Ça va être terrible de devoir refaire leur maison et tout maintenant. Shayma est trop malveillante pour ça. Bah ouais, vraiment. Allez, dernier jour de la Vanesse. Vous savez, si j'ai un habitant dans le camping, est-ce que je peux faire venir quand même mon campeur ou je peux pas? J'ai jamais essayé de faire venir un habitant au camping pendant que j'avais un camping. Salut Yosverse, comment ça va? Tu peux arrêter de te co-déco, quoi est en ligne par-ci, quoi est en ligne par-là. Désolée, excuse-moi. Non, tu peux pas, ok. J'ai jamais essayé. Enfin, je crois. Un jour, on essayera pour la science. Pour la peine, j'allais faire une maison sur sa maison sur le DLC, t'as bien raison. Montre-lui qu'elle n'est pas seule. Je pense qu'on va quand même les refaire, Nanouche, ouais. Après, on va voir. En fait, c'est juste l'esthétisme de l'extérieur. En vrai, je sais pas si on va faire revenir les anciens, comme ça. Arrêtez, je sais pas maintenant. Maintenant, moi, je suis contente d'avoir des nouveaux habitants. Mais à la fois, pour certains, tu vois, bon... Pour faire revenir Pachi, quoi. Et Caro, quoi. 3 petits points. On verra, en vrai. Pas là maintenant, mais sûrement dans les prochains jours, peut-être qu'on les refera, ouais. En vrai, c'est sympa de refaire les maisons des habitants. Je trouve ça sympa, donc pourquoi pas faire l'extérieur et l'intérieur. Pas aujourd'hui. Parce qu'on va déjà faire venir les nouveaux, là. Puis on va essayer de voir s'ils craftent pas. Après, on va tester de faire 2-3 routines, enfin tournées de craft jusqu'à 18h et puis on verra bien. C'est trop méchant.
Table du jardin en fer, toujours plus chiante celle-là. Hein. Il faut juste du fer, je crois. Bande de petits crafters. Petits crafters. Petits crafters. Pourquoi je m'endors? Je pense que je suis un peu fatiguée. Ce matin, enfin cette nuit, j'ai rêvé que je m'étais mariée. J'ai rêvé qu'on m'avait fait sa demande là. J'étais là en mode what the fuck. Ok. Il faut que je crafte. J'étais perdue. Avec Dolly, bah comme d'hab, normal. Avec ma femme, les gars. Je me suis réveillée, je me suis sentie grave mariée. J'étais là en mode what the fuck, je suis mariée. Et moi, mon réveil, il a sonné pendant que j'étais dans le rêve. Du coup, j'étais complètement dans l'incompréhension, quoi. J'étais comme ça, en mode... Putain, je suis mariée. Pas du tout. C'est n'importe quoi. En plus, j'étais sûrement... En plus, j'étais même pas mariée, parce que j'étais vraiment, genre, fiancée, du coup. Pas mariée, encore. Mais je me suis réveillée, je me suis dit... Oh, putain, je suis mariée. J'ai envoyé des messages à mes copains, en mode... Purée, je suis mariée. Genre, je me suis réveillée, j'ai rêvé que je m'étais mariée. Du coup, je suis mariée. Aujourd'hui, je me sens mariée. Tu l'as vécu à fond, mais j'étais à fond dedans, hein. J'étais à fond dedans. J'étais triste carrément de me réveiller, de savoir que j'étais pas mariée. Mais j'étais contente de m'être mariée. Enfin, de m'être fiancée du coup, mais j'étais vraiment en mode, c'est le mariage genre, ça veut dire qu'on est mariés. Ah, la musique, Vanessa, c'est pour nous faire... T'étais à fond dedans, j'étais à fond dedans, ouais. Une tenue stérile, merci, ça me fait super plaisir. La pipi, faudrait que je me mette debout, t'as raison. Mais avoir la flemme, je vais aller faire pipi. Mais attendez, moi je suis une folle, je pars comme ça sans lui demander de venir. J'ai rêvé que j'avais un cheval et qu'il me manquait au réveil. Mais vous savez que il y a un truc. Il y a un truc comme ça qui existe. Il y a un mec qui a donné son témoignage. Alors je sais plus c'est dans quelle circonstance, etc. Mais le mec, en fait, il a vécu toute sa vie comme ça. Il a rencontré sa femme, il a eu des enfants, il a acheté une maison. Il a vraiment eu, c'est toute une vie comme ça. De personne normale qui construit sa vie de famille pendant peut-être 20 ans. Et un jour, il s'est réveillé de son coma. Et il était là en mode... Attends, vous êtes en train de me dire que là, j'étais dans le coma et que tout ce que j'ai rêvé est faux. Et que toute la vie que je me suis construite pendant 20 ans est fausse. Que j'ai pas de femme, qu'elle a jamais existé et que j'ai pas d'enfants. Et le mec là, il est tombé apparemment, il est tombé genre en dépression. Je sais plus c'était où que j'ai vu ça. Ce mec là est tombé dans une dépression si profonde que genre il était détruit. Parce que du coup, il s'est réveillé, il avait plus sa famille qu'il aimait, mais genre à un point, c'est horrible, je trouve. C'est vraiment horrible. Bon bah désolé, mais là ça va être Joseph qui va sauter. Je l'aime bien Joseph, mais là. Ça devait être horrible, genre il a passé toute sa vie du coup à faire son deuil. Je sais pas si le mec là est toujours vivant ou pas, je sais pas c'était quand que c'est passé, mais je me rappelle plus d'où j'ai entendu cette histoire là. Mais le mec a passé sa vie entière à faire le deuil de sa famille et de sa vie de famille qui n'ont jamais existé. Il a potentiellement cherché cette femme qui était censée être sa femme, mais il l'a jamais trouvée quoi. C'est trop triste en vrai. Robert, je l'aime trop en vrai. Shashuka. Vas-y, la batterie faible nous fait chier là. Le pot, franchement, ouais, ça doit être vraiment horrible à vivre. Je vous mets la prédiction pour la suivante et je vous mets la pause que je vais faire pipi et je vais vite faire brancher mes Joy-Con en espérant qu'ils chargent de 3% ou que sais-je. Et j'attends la sauvegarde et je vous mets en pause, je vais faire pipi. Ah, ça marche pas, attendez. A tout de suite! Sinon c'est un crime, je suis même pas désolée. C'est la légalité. On a les fraîcheurs, nous sommes sans coquettes. Modérateurs et viewers, tous ensemble pour faire la fête. Pas d'abus des mottes, et t'auras pas de soucis. Reste-moi dans tes bottes, succès garanti. C'est ça mon pseudo. Je suis pas une bonne.
Ouais, bah, je vous remets ça, mais ça n'a pas le temps de charger, là, en une minute. Le jeu est en train de taper son meilleur truc, là, enfant. Un jour, j'aurai des Joy-Con chargés, hein, vous inquiétez pas. Mais pourtant, vous voyez, là, c'est écrit que c'est genre à 3/4, je capte pas. Oh là là, mais t'as bien raison, Shuka, c'était un très bon choix de personnage. Merci, Maria, pour le follow. Sur TikTok. Bon, mine de rien, on aura fait ce qu'on pouvait aujourd'hui. Salut Naya, comment ça va? Merci pour ton follow, merci Mbot aussi. Merci Starfy également. Bon, vous l'aurez compris au vu de la prédiction, on va refaire notre petite routine. Bon, il y aura juste Vanessa qui sera pas encore installée, elle sera... Là, c'est la parcelle va être vide, je crois. Donc on va pas pouvoir aller chez elle, mais c'est pas grave, je pense que les autres vont crafter à sa place. Donc on va faire le tour tout de suite, c'est parti. Merci Cé pour le follow. Les maisons, faudra qu'on les refasse. Je propose que demain on refasse leur maison. Oh putain, quelle horreur. My god. Oh là 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 là. Oh là là là. Je propose que demain on refasse leur maison. C'est une catastrophe là. Faut tout qu'on refasse demain. Oui, t'inquiète Nico, on l'aura. Parce que enfin, tu viens de recommencer ton île, garde-le pour toi, le plan, je batte le carotte, sauf si c'est des trucs en double, mais... C'est moche chez lui! Une robe poire. Je vais lui... Bah je sais pas, si tu t'en sers pas et si tu le veux pas, moi je le veux bien, oui, je vais pas te dire non. Mais si tu t'en sers, je vais pas te le voler, quoi. Mais si tu t'en sers pas, oui, je le veux bien. Je veux bien que tu me le gardes, alors, dans ce cas-là. C'est gentil, merci. Tu peux pas me l'envoyer par la poste? Ah bah non, on a pas joué ensemble. Parce que je voulais faire le tour. Putain, mais j'ai pas de place, faut que je remballe ça. Attendez. Bon vas-y, attends, je viens alors. Je vais ranger ça et je viens le chercher. Putain, mais il est loin le truc, de pire en pire. My god. Ranger. Et dans tous les cas, là on peut... Bon ça, la robe poire et tout, je l'ai aussi. Merci, c'est ça. C'est ça. Faut le follow. J'ai plus son île que la mienne normale. Bois de l'eau, boulette. Hop là. Merci, Chachouka. Ah merde, c'est pas là. Mais c'est pas là que je dois me mettre, je suis trop bête. Hydratez vos yeux le chat, hydratez vos yeux le chat, bien dit. Hop, vas-y, arrive Nico. Nico qui nous met bien pour les plans. Et les amiibo là, hop, cassez-vous. Mais je suis en train de me dire, là j'en ai recommandé 50. Mais ça rentrera là-dedans. À force là, ça commence à se remplir ces histoires. Le truc il va faire une épaisseur monumentale après. Mais c'est pas grave, au moins on aura tous les amiibo au même endroit. Hein. J'ai entendu, hydratez vos yeux. Il me reste plus beaucoup. Ouais, vas-y, j'arrive, Nico. Je vais me faire un thé. Un thé à Maristi. Je vais voyager. Par quelqu'un. Il va être épais. Qu'est-ce qui va être épais? Ça va, Chacha? Mais tu te sens bien, Chacha? Attendez, tout à l'heure, je crois que Lizou... J'ai vu passer Lizou dans le chat. Et je crois que j'ai pas vu son message. Ah, voilà. Parle un truc de faux parce que fauteuil, en gros, il y a une semaine, j'ai appris qu'il y avait
Je viens d'Europe. La fédération décide de ne pas nous envoyer par manque de moyens. Oh non! Nous financer, la fédération a quand même dit non. Bah ils sont pas cool. Bah ils sont grave pas cool, Lizou. Désolée, j'avais pas vu. Trop nul en vrai qu'ils fassent ça. Liste d'amis. Big Rivers. Oh, tu l'as appelé Grosse Rivière. C'est avec ça, c'est nul en vrai. Si en plus il y a une asso qui voulait bien le financer et tout, enfin abusé. Renou map. Tu dead. Tu dead ça. Bon l'ami. Bon attendez, je vais me refaire un tea. Mais purée, mais Nico, ton île elle a 3 jours, t'as déjà avancé tout ça là. Mais le mec il rigole archi pas en fait. Mais ouais, Nanou, c'est ce que je suis en train de me dire. Purée, mais Nico, t'as tellement avancé. Merci bien. C'est quoi ça? Slay en personne, il s'est appelé. Il est cool ce motif là, je trouve. 3 jours. Il a reset là, il y a 3 jours. Ça c'est une trop belle entrée par contre, hein. Ça va être joli. Tu vas mettre fontaine et tout. Ça c'est la maison de mon mec, non? Pousse-toi en fait. C'est mon bébé là qui habite ici, ça va être trop stylé. Je vais grave chez lui comme si c'était chez WOM. Ah. Bah super. Bah écoute, merci, c'est bon. Tu peux me virer. Je te remercie. Je te remercie. Je voulais me barrer loin et je me suis TP à l'entrée. Drôle. Un peu drôle. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre... Mais t'as mais la dégaine que t'as, les lunettes, la tenue. Merci beaucoup Nico pour le plan, de notre quête de plan. Toujours plus plantu les uns que les autres. Une dégaine, t'as peur. En temps normal, c'est Nico, hein. On s'attend à quoi? Tant qu'il a pas mis de caca sur sa tête encore, ça va, franchement. On est chanceux. À quel moment tu t'es si rapide pour les îles? Mais Nico, il fait les îles en un mois, il a terminé, hein, ces îles remplies et tout, hein. Depuis déjà longtemps. Hein. La dernière île qu'il a fait, là, il l'a faite aussi, même un peu plus rapidement que celle-ci que j'ai faite là. Hein. C'est un second Killy de fou. Bon, il en est pas encore au niveau de Killy, je trouve, au niveau du détail de tout ça, de l'île, parce que Killy est vraiment dans le détail du détail, je trouve. Mais ça s'en rapproche quand même. Hein. Killy la reine. C'est vrai, hein. 2 mois, ouais, c'est ça, hein. Merci Sarah, merci Elle, merci Harmonie pour vos follow sur TikTok, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien.
Mais à Komoun, là, on l'a fait en 31 streams. Ça fait un mois. Hein. Si j'avais pas fait de pause Sims, on aurait fini en un mois pile. En un mois pile. Bon, ok, donc on avait fait l'habitant, on va aller sur la plage et on va faire le reste. Pour la prédiction, évidemment, qui est en cours. Le vulpin ne compte pas dans la prédiction, évidemment. En vrai, hein, c'est très très simple d'avancer super vite. Quand t'es vraiment dans ton thème, t'avances, quoi. Tu stagnes pas quand t'es vraiment dedans et que tu sais quoi faire et que t'as envie d'avancer. C'est super rapide, hein. Moi-même, la première, quand j'ai l'idée, le thème, il est fait en 2-2, quoi. Le thème, il est fait en 2-2. Mais c'est chiant, ça. C'est dégueulasse, par contre, le plan... Enfin, les fourmis au bord de l'eau, là. Bah, je sais pas où elles sont, mais c'était répugnant. Oui, mais j'ai le plan du gong oriental. Vous inquiétez pas, les plans, je les gère toute seule, c'est gentil, merci. Là, Nicole en avait un que j'avais pas, donc vu que je l'ai en ami, ça prend 2 secondes d'habitude, il me l'envoie par la poste. Faut que je te rajoute en Emma d'ailleurs, Nico, sur cette celle-ci. Donc c'est pour ça que c'est plus rapide, mais quand j'en aurai marre et si vraiment je galère à avoir les derniers, je vous demanderai sur le serveur Discord. Mais c'est gentil, merci de proposer en tout cas. Mais ne vous inquiétez pas, je préfère me faire par moi-même en général. Et merci pour vos follow en tout cas, merci beaucoup. Merci Eddie pour le follow. J'ai juste un Emma. Oui, je viens de dire qu'il faut que je le fasse et j'étais oublié. Mais du coup, c'est laquelle que t'as reset que je te dégage l'autre? Slay en personne. C'est crotte, c'est viande que t'as dégagé? Viande. Il s'appelle viande, c'est vrai, regardez. Non, viande pas encore. Ok, donc c'est l'autre que j'ai pas en aime. Ok, super. Let's go. Mais oui, Océane. Y a pas de raison. Oh non, il m'a redit caca. Viande, il s'appelle. Slay en personne et viande. Salut Slay en personne, bienvenue sur cette nouvelle île. Ça, c'est un peu drôle. J'étais bah, ma partie elle a 4 ans, hein. Les amis, j'en ai vu passer. Hein. Des risettes, tout ça, hein. Des personnes même. Dans ma liste d'amis, il y a je ne sais pas combien de personnes à qui je ne parle plus du tout maintenant. Donc, je peux même pas les supprimer. Des personnes qui ont risettes et qui, du coup, leurs personnages sont toujours là. Un jour, peut-être, j'y arriverai. Allez là! J'ai de la poudre qui est restée collée au fond. Bon, elle va se dissoudre à force, mais un peu chiante. Mais si, Zadkiel, je crois que j'avais fait le tri. Attends, je regarde vite fait, attendez. Mais là, moi, je crois que je t'ai plus, hein. Putain, Nico, il a mis une pêche en pépé. Je crois que je t'ai plus. Renvoie-le-moi ton code. Comme ça, je te mets après. J'avais fait le tri, on en avait parlé en plus, non? Attends, je regarde, mais... Béranger s'est appelé Bretagne, il est chiant. J'avais fait le tri, tu sais, je t'avais dit quand... Oui, renvoie-le-moi. Quand j'avais trié, je savais pas qui c'était. J'avais pas fait le rapprochement, en fait. Du coup, j'avais supprimé toutes les personnes que je savais pas qui c'était. Voilà. Peut-être, ouais, sur Mirabelle, il y a moyen, Zadkiel. En général, c'est pour ça, maintenant, les codes amis, je vous dis, bah, je vous ajoute sur les deux, je le note et je le remets après. Parce que j'ai tout le temps sur une, mais jamais sur l'autre. Donc maintenant, je suis avec les deux, comme ça, moi, je suis sûre d'avoir.
Salut Amy, comment ça va? J'avais une question. Qu'est-ce que tu penses des écouteurs filaires à la place du casque? Je trouve ça vachement chiant, le truc filaire. Moi, j'aime pas du tout. Parce que c'est tout le temps dans tes bras, là, le casque filaire. T'as tout le temps le fil qui traîne, tu t'attaches dans la chaise, dans le bureau, dans les trucs. Je trouve ça vachement chiant. Et les écouteurs, moi en tout cas, je peux pas en mettre parce que sinon je serais genre par là-haut, tellement le câble est petit, tu vois. Genre, je pense que il me faut là au moins 1,5 m de câble d'écouteurs pour le brancher sur ma tour. Je trouve ça vachement chiant et je trouve que c'est pas pratique les écouteurs en vrai. Je préfère grave un casque. Les écouteurs, t'entends pas vraiment bien le son et tout, donc. Je suis pas très fan moi de mon côté. Attends, bah tu sais quoi, Zadkiel, je vais te mettre. Je vais te rajouter tout de suite, comme ça c'est fait. J'étais du coup sur Mirabelle, enfin sur l'autre Switch. Alors mes profils s'appellent genre Cohen, Cohen 2 et Cohen 3. Mais Cohen 3, vous êtes pas censé l'avoir parce que c'est ma Switch du Let's Play. Code ami, attends, je te mets tout de suite comme ça c'est fait. Et j'oublie pas. Je prends 2 secondes, hein, désolé chat. Je viens de les casser justement parce que je trébuchais dessus. Voilà. C'est ce que je disais. Moi, les trucs filaires, je vous jure. Quand j'ai eu mon premier casque sans fil, oh le bonheur que c'était, franchement. De pouvoir ne serait-ce que rester en vocal avec tes amis, tout en te levant et en allant dans la cuisine, ou en allant faire pipi, ou que sais-je. Ne pas avoir besoin d'enlever le casque toutes les 2 secondes pour, je sais pas, genre, dès que tu veux te lever ou quoi. Je trouve ça vraiment pratique. Je suis vraiment bien contente d'avoir un casque qui est plus filaire depuis le temps. Franchement, je comprends que pour certains, c'est ça plus pratique. Genre les gens qui travaillent dans le son ou quoi, c'est plus simple pour eux d'avoir des casques filaires parce que tout est en direct. Avec un casque comme le mien, t'as un mini peu de latence. C'est pas ce qu'il y a de mieux quand tu fais des... Quand je sais pas, genre t'es streamer et que tu fais des trucs sur Valorant, etc. Et que genre t'es classé ou je sais pas, tu vois, c'est pas le mieux. Bah ça va. Ça va en vrai. Il y a des fois où le casque il reste allumé trop longtemps, du coup il s'éteint parce qu'il n'y a pas de son par exemple. Mais tu peux régler ça dans tous les cas. Tu peux vachement le régler comme tu veux. Pour l'instant ça va en vrai. Il y a un mini décalage, mais honnêtement je le vois pas tellement il est très faible sur le mien. Ouais, Norsam il a besoin d'un casque filaire. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas... Un plan qu'on n'a pas pour répondre à la prédiction. Écoutez, on n'a pas de nouveau plan. Je vous remets la prédiction pour le suivant. Hop. J'ai gagné enfin. Et bah, let's go. Mes points. Merci Sophia pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup pour tous vos follows sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si jamais le lien est dans ma bio. Et merci beaucoup pour tous vos likes, ça fait plaisir, ça met en avant le stream, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Olivine pour ton follow, bienvenue. C'est bien ça, Stonks là, ce que je vois. En vrai, vous avez plus de chances, honnêtement, de gagner en votant non. Par contre, vous gagnez plus en votant oui si ça tombe sur oui. Parce qu'évidemment, du coup, là, vous êtes à 30% pour non. Enfin, pour oui, et genre 70 pour non, donc ça déséquilibre complètement. Et quand, si c'est oui, la réponse, et si j'ai un plan que j'ai pas, bah là, vous stonquez de fou, quoi. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous votez pour le plus de points à se faire, ou est-ce que vous votez par en toute logique? Parce que là, à savoir qu'il me reste 38 plans à avoir, et il y en a 900, quoi. Donc voilà. Il y a un petit peu très très peu de chances que je tombe dessus, mais on peut tomber dessus, donc il n'y a pas de raison. On a 5 plans tous les jours, donc on a quand même 5 chances sur 900 d'avoir les bons plans. Tapoter. Bah vas-y, va tapoter, Numap. Merci Luna, merci Chat et merci Lady pour le follow. Comment ça va Nana, tu vas bien? Et salut ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Quand même 44 000 points, c'est pas mal en vrai sans les prédits. Yos, c'est bien hein. 1000 points, mais bref, ils auraient pu faire un plan fixe, mais bon. Il y a Vanessa. Demain du coup, on a dit qu'on referait les maisons. J'aime bien ce genre de stream, demain ça va être très chill et très cool. On va reprendre le temps de refaire les maisons des habitants, l'extérieur comme l'intérieur. Je sais pas combien de temps ça nous prendra, mais ça va nous prendre forcément au moins 1 heure, 2 heures. Au vu du nombre d'habitants qu'on a refait, et comme je suis indécise... Faut avoir de quoi faire. Merci Julie pour le follow.
et bienvenue. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si jamais vous êtes toujours pas follow à la chaîne. Ah non, ça va pas dégager le banc. Je pensais que ça allait le dégager. Je me posais la question. Mais non, du coup, c'est bon. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, Nico. Franchement. Mais ça va pas, la tête ou quoi, là? Mais on dirait pas, le lit, il est super crade, genre. On dirait pas, il y a... Genre, il est moisi, il me dégoûte. Ça dégue. Elle dégue sa maison, franchement, elle dégue un peu. Heureusement qu'on va lui refaire demain. Hein. Frigidaire, vraiment. Mais tous les habitants pingouins ont une maison en glace comme ça. Je sais pas si vous aviez fait attention. Tous les habitants pingouins, leur maison de base, c'est de la glace. Littéralement, c'est une banquise intérieure. Les maisons des habitants, quand on refait l'intérieur, c'est avec nos meubles ou les meubles... Non, c'est illimité, comme le DLC. C'est comme le DLC, en gros, t'as tout illimité. Tout ce que t'as débloqué, en fait, c'est tout ton catalogue et tout ce que t'as débloqué sur le DLC, tu peux l'utiliser. Normalement. Ah merde, je suis con, elle arrive. Oh, son sol, il est horrible. Si j'ai pas de conneries, après, moi, j'ai tous les objets du jeu, donc forcément, moi, j'ai accès à tout le catalogue. Je sais pas si c'est tout ce que t'as débloqué sur ton île ou tout ce que t'as débloqué sur ton île et le DLC. Le DLC, je sais que c'est les deux à partir d'un moment. Mais tu me fous le doute maintenant. J'ai un doute. Ça, c'est Philibert qui craft. Elle a eu des punaises de lit ou wok, un peu, je pense. Bah, let's go, Zadkiel. C'est une bonne idée, je trouve. Ah, la casquette de commissaire priseur. C'est pour nous tuer ou quoi? Il devient fou, lui, hein. Bonjour à ceux qui arrivent sur TikTok, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, hein, si jamais le lien est dans ma bio, vous avez un lien Linktree avec tous mes liens, dont le lien Twitch. Oui, sinon mon Twitch il est écrit juste là, c'est Kohain-du-bas. L'application est gratuite et c'est vraiment la meilleure appli pour les lives si jamais. Allez, il m'a donné son plan là. Bah non, je vais aller me faire foutre en fait, j'ai pas pris le plan. La 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 la. Trois petits points. Merci Philibert de me donner le plan. Caramel, fais attention où tu mets les pieds. Ah bah voilà, la bibliothèque en bois. Je sais plus qui demandait tout à l'heure, je crois que c'était Lana. Ou Lara, je sais plus. La la la. Alors je sais pas du tout Révali, pour l'instant. Pour l'instant je suis focus sur continuer mon 100% de tout. Et ensuite, le défi 30 jours à partir du mois de septembre, les trailers arrivent très bientôt, on tourne le teaser demain, enfin le trailer demain, vous allez avoir un teaser dans les prochains jours du clip, et vous allez avoir le clip le 31 et le trailer le 30 pour ce qui va se passer. Voilà, ça va être très très cool, j'ai vraiment super 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 hâte, il va falloir qu'on fasse le planning aussi, qu'on vous donne les dates, les horaires, etc. Mais normalement, ça devrait le faire. Et c'est reparti. On est focus sur le 30 jours. Et pour l'instant, c'est vraiment 30 jours. Et après, en octobre, on va faire deux thèmes différents. On aura deux thèmes différents en cours, mais ce sera pas sur Akumun. Ce sera sur, le reset de Luby et le reset de Mirabelle. J'aurai deux nouvelles îles. Et là, je sais pas quelle île je vais reset. Salut Alix, comment ça va? Bon, quel beau temps sur les îles. Ça m'étonnait, ouais, c'est parce qu'en fait, on en a besoin de changer les personnalités des habitants. J'avais que les mêmes. Et il m'en manquait... Il me manquait combien? 4, 5 ou 6 même? Non, il me manquait genre 5 ou 4 ou 5 personnalités d'habitants, donc il a fallu que j'en change en fait tout simplement. Pour pouvoir avoir les plans de craft qui me manquent parce que c'est des habitants que je n'avais pas qui peuvent me les donner. Du coup voilà, on avait besoin de faire un peu de tri. Shema qui fait que time travel, bah elle fait une chasse, hein. C'est sûr, elle va faire une petite chasse celle-ci. Comme ça tu sais pas. Si si, les deux en octobre seront reset. Mais pour le défi 30 jours, je sais pas laquelle des deux je vais reset. En vrai sûrement Luby, comme ça je mets vraiment un clap de fin et c'est fini Luby, tu vois. Parce que plus je la laisse traîner, plus j'ai l'impression que je dois encore retourner dessus. Cette île, elle me fait encore un peu un truc. Time travel, archi pas. Regarde son profil, Gwen.
sur la Switch. Mais à jour. C'est écrit Snoop Croc. Et la photo de profil avec. Marvin est dead. Bah t'es où? Bah. J'ai pas vu la PP. C'est mince, ça marche pas ta merde. Qu'est-ce qu'elle veut elle avec son Pikmin? T'as 800 heures. Je vais vous stalker. Ça m'étonne pas de Zabou qui joue à Disney. Popo, putain, il a tellement d'heures. Ah, Marvin, pas tant, hein. Nico. Snoop Croc. Venez, on regarde ce qu'elle fait, Shaima. Venez, on regarde à quoi elle joue. Le meuf qui stalk les viewers, c'est terrible. Bon, allez, là, stop les conneries. Je regarderai après. Quand il sera à jour, ton truc. T'as mis quoi en PP? T'as mis un croco? J'ai 2000 d'heures de jeu sur Just Dance. Oh la vache. Purée. Non, non! C'est pas à jour, mais... Elle a mis... Jarod. Snoop Croc avec Jarod. Nul. Enfin, drôle. Trop drôle. Quel BG. Les gars, si vous pouvez pas écrire mon code ami, c'est parce que je veux... Enfin, ça sert à rien de demander, encore une fois. Je pense que pour certains, vous vous rendez vraiment, vraiment pas compte du nombre de fois qu'on m'a posé la question depuis que j'ai commencé à faire du contenu sur Animal Crossing. Là, si j'avais la possibilité, je pense que j'aurais peut-être genre 5000 à 10 000 amis sur la Switch. Et je rigole pas. Tellement on me demande et tellement on m'a demandé au cours des dernières années. Ce serait énorme. Vous vous rendez bien compte que c'est pas possible. Qu'il y a que 300 places d'amis. Et merci Naël pour ton follow. Mais après je comprends, tu vois, moi j'adorerais vous... Encore une fois, j'adorerais tous vous avoir en amis. Avec aucun problème, je donnerais mon code ami, etc. Malheureusement, il n'y a que 300 places, donc je peux pas ajouter tout le monde. Donc pour ça, on a mis en place une récompense à 150 000 points de chaîne qui vous donne mon code ami. D'où les donne les 150 000 SVP. Voilà. Dire qu'avant c'était 99 places, ouais. Je comprends toujours pas pourquoi ils en ont pas mis plus. Après 300 amis, c'est déjà conséquent. Mais bon, c'est jamais assez. Allez, reveal de la prediction. Une luge. Bah merci pour la luge. Une robe cerise, super. Mais écoutez, la réponse, elle est... c'est non, c'est négatif. Mais on... ça fait déjà très très longtemps que le mot... Enfin, que la phrase code ami c'est bloqué sur ma chaîne hein, depuis presque le début. Parce que c'est une question qui est inutile au final, à la longue, elle sert à rien la question. Parce que la réponse, elle est... c'est non tout le temps. Donc pour éviter que vous perdiez votre temps à poser la question, on l'a bloqué. Comme ça, vous ne posez pas la question. Allez, on prend des risques un peu. T'as misé combien? Gouttelette. Merci Chachouka, pensez à boire vous aussi. J'ai réussi à me transférer mes 7000. Je peux éteindre Hiroshima, comment t'as fait ça? 900, ça va, 900. Vas-y Lolo, n'hésite surtout pas toi aussi à prendre des risques et à miser du 100 000 points de chaîne.
Je dépense en bois de l'eau gouttelette au lieu d'économiser. Ça va, c'est 500. Ça va, en vrai. Je l'ai... Avant, il était plus cher. Il était à 1500. Et je l'ai baissé, justement, pour que vous m'incitiez plus souvent à boire. Parce que, du coup, ça veut dire qu'il y a, genre, plus de personnes qui ont genre, 500 au moins. Donc, voilà. C'est vrai, vous dépensez beaucoup vos pointiers dans les à boire. Mais c'est gentil. Ça me fait boire. C'est bien. Buvez-vous aussi, hein, quand je bois. Surtout quand il fait chaud. Merci Manon, merci Sarouche, merci Japon et merci Yuma pour vos follow, bienvenue. J'espère que vous allez bien. C'est important de boire, c'est important de s'hydrater dans les périodes où il fait chaud comme ça. Vous avez un peu chaud aujourd'hui ou pas chez vous? Moi hier il faisait 33 et aujourd'hui apparemment il faisait genre 22. Sauf qu'il fait toujours super chaud dans ma chambre, il fait toujours 27. Donc je commence à pas trop comprendre pourquoi. Là ils disent qu'il fait 22 dehors. C'est vraiment tout sauf vrai quoi, il fait super chaud. Salut Miss, merci pour le follow. Ça va, il fait normal, il fait bon, 21. Il fait 18, ça va, 18 aussi. Ouais, il y avait la pub à 500 RN, UMAP, c'est vrai. Aujourd'hui, normalement, je crois que c'est une bonne... Pour à peu près toute la France, il fait pas trop chaud, là. 24, ouais, ça va, en vrai. Je suis de retour à la civilisation, j'espère que vous allez bien. Coucou la Kylix. Bravo pour ton Pax, finalement. J'espère que tu t'es bien amusée. T'étais toute belle. Oh Zelab, coucou! Merci beaucoup pour le raid. Comment s'est passé le stream? N'hésitez pas à les follow Zelab, évidemment. Ou Zelabi. Non, j'allais dire un truc, mais Voli, là, il est pas là, donc il faut... Ah bah si, il est là. J'allais dire salut Zafi, parce que hier, il m'a dit de t'appeler comme ça. Pour bien t'énerver. Comment ça va? J'espère que le stream s'est bien passé. J'ai donc 3 heures, bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, Voli, hier. Fais pas genre t'as rien dit, espèce de gros mytho. J'ai enregistré. Salut Sonia, merci pour le follow. Ça s'est bien passé sur Genshin, ça va, ça avance bien. C'était toi qui découvrais le... Ah bah Voli, il était plus rapide que moi pour la dédicace. C'était toi, Zelab, qui découvrais le jeu? C'était qui, je sais plus, qui avait fait ça? Qui découvrait? Voli m'a grave aidé. Bon, ça va alors. Je me rappelle plus, mais si, hier soir. Non, il y a 2 jours. On était tous les trois sur le stream de Zelab avec Dolly. Et même que ça, il y avait un truc qui n'arrêtait pas de se déco-reco et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé de ça, qu'on a parlé de Zelab et que du coup qu'a dit, tu m'as dit « Ouais, j'aime bien l'appeler Zafi pour la faire chier. » Bon, ça y est, là, je lui parle 50 fois au bout d'un moment. Kiwi de Vanille, ça y est, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. C'est stylé chez Foufou, enfin c'est un peu... Zelabi, c'est tonton, il l'appelle comme ça. Ça fait quelques mois, ouais, c'est ça, hein. C'était il y a pas si longtemps. J'avoue, Genshin, j'arrive plus à accrocher. Je pense que j'en ai été dégoûtée. J'ai une grille de prison, bah on va aller loin comme ça. En tout cas, nous, on est en train de farmer les derniers plans de craft qui me manquent sur Animal Crossing. Il y en a plus de 900 et il nous en manque genre 38 actuellement, un truc comme ça. Du coup, voilà, on a passé tout le stream à finir de farmer le DLC à 100% et il me manque 2 amiibo pour ça, donc je peux toujours pas le finir à 100%, faudra qu'on fasse les 2 derniers, mais c'est des amiibo de la dernière série qui est sortie et j'ai pas eu ces personnages spéciaux là, donc j'ai pas pu les inviter. J'ai joué quand même, ouais, franchement j'ai pas mal joué à Genshin. Je suis à R combien, Voli? Je sais même plus, je sais même pas ce que c'est, mais j'ai beaucoup joué quand même. Pendant plusieurs mois, je pense 2, 3, 4 mois non-stop, j'ai joué, je pense. T'es à R39. Je sais pas si c'est bien ou pas. Pourquoi j'ai été choquée là? Mon perso était choqué. C'est le... Ouais, c'est un peu long. Bah, en fait, y a... là, j'ai passé les 450 maisons hier. Et là, du coup, on a fini les... Je pense qu'on doit être à 460 personnages sur le DLC. Personnages, donc habitants plus personnages spéciaux. J'ai un petit peu harcelé Lou. Et Lou, elle m'a un peu harcelé de lettres avec toutes les photos des personnages spéciaux après. C'est un peu long quand même. Ça fait déjà des mois et des mois qu'on est dessus, mais... Mais ça avance et on est à 2 amiibo d'avoir terminé, donc c'est bien. Et là, du coup, il nous reste vraiment plus beaucoup de craft à avoir. Mais pour ça, en fait, j'ai dû me séparer de beaucoup de mes habitants. En gros, il y a 8 personnalités d'habitants différentes sur le jeu. Et moi, j'en avais que 3 ou 4 différentes. Donc j'ai dû changer pour pouvoir avoir les 4 ou 5 autres personnalités que je n'avais pas. Finalement. Et du coup là on vient de finir, du coup ça nous a pris pas mal de temps parce qu'on a dû faire venir les habitants avec les amiibo. Du coup en nouveau là on a Vanessa, on a, comment elle s'appelle, Gwen,
On a Foufou en nouveau. On a Henri. Attendez, je vous montre vite fait celle-là. On a Vanessa, Henri. En fait, on a fait venir les 5 là. On a dégagé 5 habitants. Et du coup, maintenant, on a le trio Boum Boum, Foufou et Zinzin. Voilà, Boum Boum, Foufou, Zinzin. Mais bref, franchement. Du coup, on a fait venir une grande sœur, un chic, une arrogante, un versatile et un sportif. Et là, on a normal, paresseux, paresseux, et une vive. Voilà, on a tout maintenant, donc c'est bien. Et maintenant, faut continuer à farmer pour essayer d'avoir les plans qui nous manquent. Sauf que c'est un plan de craft par jour, vu qu'on fait du time travel, mais sinon ce serait 3, mais voilà. Et du coup, demain, vu qu'on a 5 nouveaux habitants, on va refaire leur maison. Donc le programme de demain, ça va être refaire les maisons intérieures et extérieures des habitants. Donc voilà le petit programme de demain. C'est Logmat, ça va être toi. C'est grave un kappa. Viens-y. D'avoir été l'assurance vie de la streameuse populaire Zella pendant 2h30. Oh my god, t'es trop une assurance vie, Voli. C'est quand qu'on joue à la Mac Farm? Dolly Linux, elle est rentrée là, non? Je sais pas, je l'ai pas vu débarquer, je sais pas si elle est arrivée. Vous avez pas parlé, ok, ça va, alors ça me rassure. J'avais dû à la Mac Farm, j'ai envie d'aller farmer mes ressources là, de refaire des plantations. Et c'est quoi que je vous ai dit? De refaire un champ et quoi d'autre? Purée, j'avais trop une idée, mais je sais plus ce que c'était. Ah oui, de déplacer les maisons. Je voulais trop commencer à décorer la ferme. Je veux trop décorer. Mais du temps bien. Ok. Donc ce sera ce soir pas. Au début de soirée, ce sera plus en soirée. Ok. Je note. Je prends note. Je le stream. Ah, cool alors. Ça, c'est une bonne news. J'allais demander si quelqu'un voulait le streamer. Trop cool. Bah voilà. Bah parfait. C'est une bonne perspective. C'est mon rêve, ce serait quoi, Voli, d'avoir un vocal de proximité dans Stardew? Ce serait pas génial? Ce soir, je baise. Voli, il a toujours pas fait d'enfant avec sa femme. Sa femme, elle lui propose pas d'avoir un enfant, c'est un peu terrible. C'est quoi, versatile? Bah, versatile, c'est le caractère un peu grognon, genre, en vrai. Je le caractériserais comme ça. 2 ans, 5%. T'inquiète, Voli, ça fait 2 ans que t'essayes de ken, mais l'enfant il va arriver. Ta chance va venir, Voli, t'inquiète. Chicosland, bah ouais, c'est trop chic aussi mon restaurant. Bon, allez, j'espère que vous avez voté. J'espère avoir un nouveau plan. Bon, ça a pas l'air d'être ça. Allez, j'adore les blondes. Moi j'ai pas de mari, faudrait peut-être que je me trouve un boy à un moment donné. Avec la voix de mauvaise nouvelle. Bah, genre Roscoe, il est versatile lui. Il parle comme ça, mauvaise nouvelle. Bon, allez, c'est quoi alors? Du coup, gris de prison, ça on l'a déjà, parce qu'on a crafté tout à l'heure, c'est sûr et certain. Le 4 quarts, purée, c'est quoi le 4 quarts? À quoi qu'il me manque? Il m'en manque un. Bon, on l'a déjà eu, c'est le 4 quarts orange qu'on a eu. Pizza aux fruits, ça on l'a. Marché Sostega, ça on l'a. Et ça, on l'a déjà, donc on n'a toujours pas de nouveau plan. Nouvelle prédiction, c'est merding. Un jour, on y arrivera, hein. Je croyais que c'était Chico, genre les dents. Non, Chicoland, non, c'est Chicos. Chicoland. L'endroit des dents, finalement. Ça donne envie, ça fait rêver. Oh, punaise. Team Alex, bye. Bah, moi aussi, Team Alex, mais ma femme, elle l'a déjà pris. Je suis arrivée, elle a dit « Désolée, c'est mon mari !» J'étais « Ok, super. » Du coup, je dois me rabattre sur le... Comment il s'appelle, là? Le mec avec les cheveux... Les cheveux blonds, là. Le surfeur. Avec Son Goku, là. Il s'appelle, lui. Putain, j'oublie tout le temps son nom. Sam, c'est ça, merci. Bah voilà. Je vais pêcher Son Goku, je pense. D'ailleurs, Voli, c'est quoi qu'il faut pour pêcher Son Goku? Bah non, je demanderai à Linux, c'est elle, la professionnelle. C'est notre mec Alex. C'est le beau gosse, franchement, faut le dire. Hein. C'est le beau gosse du quartier. Hein. Pour pêcher qui? Pour pêcher Sam? C'était pas genre des trucs chiants. En fait, j'avais regardé au début. Et les seuls à pécho de manière relativement facile, avec des trucs relativement simples de tous les jours. Alex, c'est le gros con. Arrête, le beau. C'était, bah, du coup, les persos qu'ils ont déjà pécho. Les autres, du coup, je pouvais pas les pécho. Et du coup, bah, maintenant, vu que vous êtes plus avancés, vous avez dû acquérir plein de ressources qui peuvent me faire pécho l'autre. Et plus, on a des sous, donc s'il faut acheter des trucs, je me fais pas chier. Je vais essayer de pécho. Allez, ce soir, je vais pécho.
Voilà, c'est dit. Je suis pécho en récoltant les champs. Canette de coca, ça marche pour ça. Bah, c'est ça, ouais. Je crois que c'était ça le truc chiant à avoir. Vous en avez beaucoup dans les corps des canettes de coca ou pas? Vous en avez beaucoup des canettes de coca? Ça se voit, c'est un mec qui va acheter ses trucs chez. Chez Soja, je sais pas quoi là. Joja. Oui, super. Je vais pouvoir le pécho. Yes! Yes! Au distrib, au bar. Ah ouais, c'est vrai. Il est temps. Ouais. C'est pas bête, ça. Joja cola sur nos yeux. Écoutez, ce soir, je pécho, c'est décidé. Et c'était pas les follow Volibroom, évidemment. Volibroom, n'hésite pas à te faire un shout-out à toi-même, si jamais. Ah non, je peux faire ça. Attends, bouge pas, Voli. Ah non, j'allais faire un shout-out à Achille. Faire un shout-out à Voli. Ah, alors. Produit phare. Il adore ça, c'est ça? Il adore ou il aime juste? Ah, universellement adoré. Lui, c'est le fruit de cactus. Ah, ça va en vrai, ça, on en a plein, non? C'était ça, moi, que je cherchais. Merci, Voli. T'es trop un mec qui connaît trop bien. Mais elle est belle, sa maison. Salut, Henri. Fruit de cactus, ouais. C'est facile à voir. En vrai, ça va, ouais. J'allais dire, elle est pas dégueu, sa maison, franchement. Je pense qu'on va pouvoir garder cette base-là et puis un petit peu faire autrement. Mais on va garder sa base de meubles, en vrai. On va juste les réarranger. J'aime bien, franchement. Après, j'ai pas de stream, quoi. Normal. Bon, en tout cas, ouais, n'hésitez pas à les follow Voli. Voli qui streamera ce soir, du coup, vers 20h30. 20... Bah non, 21h, parce que Dolly mange avant. Sur Stardew Valley, si vous voulez nous voir jouer, bah voilà, ça se passera chez Voli ce soir. Donc n'hésitez pas à lâcher votre follow, en plus d'être un superbe streamer. C'est un très très bon entertainer. C'est... voilà. Il entertaine bien son live, finalement. Allez, Amiral, je dépense mes trucs, là. Je lurque, du coup, je vais me raser pour être beau et séduire. Vas-y, y'a pas de soucis, Voli. Je suis the greatest showman, finalement. C'est pas faux. Allez, bon rasage. J'y vais vraiment cette fois. Bisous, Voli, à tout à l'heure. C'est quelqu'un de très humble et musclé. C'est vrai qu'il est très, très, très musclé, Voli. Il a des gigas, mais des muscles. Genre, il a des biscottos. Vous êtes pas prêts, franchement. Vous êtes pas prêts. Merci Anna, Steph, Léa et Emma pour vos follow sur TikTok. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Plus que Alex. 6 fois plus que Alex même. Bien sûr que oui. Mais n'hésitez pas à aller follow Volibroom, le super streamer. Hein, évidemment. Si jamais vous cliquez sur lui, vous faites suivre. Voilà, voilà. Allez. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bisous Azrael, merci beaucoup d'être passé. Bon courage pour le taf surtout. Des bisous, des bisous. J'ai 0 abdo logmat. C'était vraiment la forme de mon ventre. Je n'ai pas un seul abdo. Je ne pense pas avoir d'abdo. Je suis très flasque de partout. Je ne fais aucun sport. Mon corps est mou. Voilà. Je ne sais pas d'où ils sont sortis, mais je pense qu'il y a erreur sur la marchandise. Il faut que je me lave les cheveux, j'avais oublié. Jamais ils seront secs et lisses ce soir, je vais hurler. Bah, sèche-les ou sèche-cheveux. On me dit ça vraiment comme si c'était pas évident. Bah, tu peux toujours les sécher ou sèche-cheveux si jamais. Après, ils gonflent. C'est vrai que quand je les sèche ou sèche-cheveux, ça gonfle. Bah, tu les sèches au sèche-cheveux, puis tu les laisses un peu sécher à l'air libre. Puis voilà. C'est quoi cette appli de merde? Laisse-moi vivre, en fait. Allez au travail. Oh, si c'est oui, là, les gens qui ont voté oui, vous allez maxi stonks. Hein. Rouleau, là, si tu gagnes, tu stonks. Hein. Bon, en vrai, je pense que c'est la dernière que je fais, parce que j'ai un peu des choses à faire après aussi. Conseil, tu as une dépression? Arrête, c'est vrai, hein. Je me foutre au vent. C'est vrai, hein. J'espère, hein, Rouleau.
Ce serait sympa. J'avoue, ce serait vraiment sympa. Aujourd'hui, on a eu combien de nouveaux plans? On en a eu 3. Dont 2 grâce à Nico aujourd'hui. Et puis j'ai plus de batterie, faut que je recharge mes Joy-Con, là ils me font chier aussi. Ils sont en train de clignoter et tout. Ils sont trop chiants. Ba-da-da. Ils chargent jamais, mais c'est les nouveaux en plus. C'est les pitch là, je comprends pas en fait. Pourtant je devrais... Oh, il y a la Kit Kat, il est trop mimes. Bon, leur Tessie. Merci Louis et merci Rose pour vos follow. Merci HTTPS aussi. Allez Roscoe! Tu fais quoi? Pizza aux champignons. Purée, mais je sais déjà faire la pizza aux champignons. Bah écoute, on a que 3 nouveaux aujourd'hui, dont 2 que c'est Nico qui nous a donné. Voyons donc, hein, c'est l'heure de regarder si on a des nouveaux plans. Étagère, bois de fer. Toujours la marge, j'en ai ras-le-bol. Écoutez, la réponse à la prédiction est non. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, puisque demain... on fera la déco des maisons des habitants. Hop les. Et c'est sur ce que j'abandonne TikTok. Merci d'avoir été là TikTok durant ce live. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez mon Twitch juste ici, c'est Koen-Dubai. Il y a tous mes réseaux sociaux qui sont disponibles sur mon profil. Alors n'hésitez pas à cliquer dessus et à nous rejoindre là-bas. Et je vous dis à demain pour ceux qui seront là demain sur TikTok. Des bisous.